commencer directement. Tout d'abord, c'est donc la troisième conférence que je fais sur les cathares en albigeois. C'est un peu le dernier volet donc, de la trilogie. C'est aussi l'aboutissement et la fin des cathares, que ce soit d'ailleurs pour la période, puisqu'on va faire une période qui s'étend sur à peu près 70 ans, entre la fin de la croisade et puis les années 1300. Et c'est la fin du catharisme, que ce soit en albigeois, mais aussi un peu partout en Europe. Il en restera après au XIVe siècle que dans les Balkans, notamment en Bosnie, et qui deviendront, on appellera les chrétiens bosniaques. Ce seront les derniers vestiges du catharisme en Europe qui seront assimilés par les Turcs un peu plus tard. Déjà, je remercie évidemment l'association 1000 étoiles pour l'enfance de nous accueillir dans cette superbe église du Carla, qui a été magnifiquement rénovée par Casimir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je n'ai jamais, vous savez, chaque fois que vous venez à mes conférences, je ne fais jamais de plan, j'aime pas trop ça, mais aujourd'hui, j'en ai fait un, tout simple, pour vous expliquer qu'en fait, ce sera en deux parties distinctes. La première, on parlera de la hiérarchie de l'église cathare en albigeois. Je pense que vous allez découvrir pas mal de choses et pas mal de personnages aussi, puisqu'on a... Les cathares, souvent, c'est un grand mot, mais on n'a pas forcément les personnages, les cathares eux-mêmes. Donc, de 1224, vous le verrez pourquoi, et donc la fin de la croisade, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et puis, en deuxième partie, je vais vous parler de ce que j'ai appelé l'histoire des 11, puisque c'est 11 cathares qui sont passés devant l'Inquisition dans les années 1285-1286, ici à Albi. Et vous le voyez, le gros classeur que j'ai là, les 300 pages, c'est les dépositions de ces cathares, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors j'ai appelé ce troisième volet l'épuration. Alors c'est vrai que le mot peut paraître violent, mais pourtant c'est une réalité historique. L'épuration, je rappelle, qui est l'élimination d'un corps social des membres jugés indignes d'en faire partie ou considérés comme indésirables, ce qui est quasiment la définition exacte des cathares pour l'Église catholique. Rentrons dans le vif du sujet. Alors la dernière fois, pour ceux qui étaient là, je n'ai parlé quasiment que de la guerre contre les albigeois, que de la croisade. Certains d'entre vous étaient un peu déçus qu'il n'y ait pas plus de cathares, mais tout simplement parce que pendant le temps de la croisade, on n'a pas vu de cathares, ou du moins dans les textes, on n'en a pas qui sont mentionnés. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. À la fin de la croisade contre les albigeois, à l'époque, si vous vous souvenez bien, quand Trincavel revient, vous savez, en 1223, pour ceux qui étaient là, il revient, il reprend notamment le château de Lombers, et là on a la résurgence, comme par miracle presque, 1224, première fois qu'on a la mention d'un cathare en albigeois, c'est à Corde qui vient de naître, Corde 1222, la fondation officielle du Castelnau, du Castrum, et deux ans plus tard, on a un certain Sicard de Lunel, mais je vais en reparler parce que c'est un grand personnage, par la suite. Mais vous le voyez, entre 1202, date à laquelle disparaît le fameux Sicard Cellerier, évêque des cathares de l'Albigeois qui habitait Lombers, lui depuis les années 1160 jusqu'à 1200. Mais vous voyez, de 1202 à 1224, tout le temps de la croisade, on n'a pas mention d'un seul cathare en albigeois. Donc avant le traité de Montpellier de 1229, on a donc ces mentions-là, donc Sicard de Lunel à Corde, on va en reparler, mais on a aussi la mention d'un certain Bernat de la Fouillade, qui apparaît dans les textes en 1228. Alors il est dans l'entourage de Guilabert de Castres, qui est vraiment un grand évêque, peut-être le plus grand évêque des cathares, qui était évêque cathare pour le Toulousain, qui va finir à Montségur, enfin, il y a toute une histoire autour de lui. Et Bernat de la Fouillade est proche de lui, et ce Bernat de la Fouillade vit à Saint-Paul-Cap-de-Joux, limite sud de l'évêché d'Albi. Et il est considéré comme le diacre. Alors le diacre, pour appeler ça le prêtre, tout simplement, il s'occupe des environs, parce que c'est toujours des environs, vous allez le voir, c'est jamais forcément d'un lieu précis, mais de Fiac, et on pourrait dire de tout le côté de Lavore, Lavore, Ambre, Fiac, etc. On est jusque dans les années 1240, on a ce personnage sur une grosse dizaine d'années. Un deuxième personnage est aussi mentionné avant le traité de Montpellier de 1229, c'est un Guillaume de Caussade. Alors lui, il est cathare, mais plutôt dans le Quercy. Mais il va venir à Opoul et finir ses jours à Opoul dans les années 1240.
Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que l'église cathare albigeoise, à cette époque-là, comprend aussi le Quercy et le Rouergue. Donc moi, je vais, vous allez voir, spécifiquement parler de l'Albigeois, mais les cathares n'ont pas de frontières, ils n'ont pas les frontières qu'ont les catholiques avec l'évêché, et les cathares vont aussi beaucoup aller en Quercy, même jusqu'à dans le Lot, et aussi dans le Rouergue. Voilà pourquoi ça ne s'arrête pas spécifiquement à l'Albigeois. Et vous allez voir aussi, une chose à mon avis intéressante, c'est que les cathares bougent beaucoup dans ces périodes-là. Pas oublier que là, bon, on est juste à la fin de la croisade, mais qu'après, il va y avoir l'Inquisition. Donc, ce sont des gens qui sont pourchassés. Donc, c'est toujours en catimini, la nuit, dans les bois. C'est toujours aux abois. Et ces cathares, donc, bougent beaucoup de petites masses en petites masses, de vigne en vigne, de cabane en cabane, et parfois de souterrain en souterrain. Continuons. Là, c'est l'endroit où... Je vous ai fait des cartes, avec les mêmes cartes que j'avais fait la dernière fois. Donc, en rouge, ce sont les lieux où des castrums, des castras, donc des châteaux ou des villes, sont mentionnés dans les textes. Et je vous ai mis donc en bleu, là, pour Bernard de la Fouillade, l'endroit où il est mentionné. Donc, on peut le voir, il se cantonne dans la région de Lavaur. Continuons. Un autre personnage aussi apparaît avant le traité de Montpellier de 1229, Arnaud Bosse. Il apparaît en 1227, Montlédier, donc c'est en Quercy, on est toujours là-bas dans le Tarn-et-Garonne. Et après, il est basé au Vintrou. Dans le Vintrou, pour ceux qui connaissent, hein, c'est vers le pont de l'Arne, pour ceux qui connaissent, du côté de Mazamé. Il y a les grandes falaises au Vintrou, magnifiques. Et Arnaud Bosse est considéré comme un diacre au Vintrou et va finir ses jours à Opoul. Opoul, on va en reparler, mais qui était certainement le siège de l'évêché de l'Albigeois, l'évêché cathare de l'Albigeois. Voilà la situation donc, au moment de la fin de la croisade, en 1229, pour ce qui est du catharisme, là où il est mentionné. Alors vous voyez, sauf la mention pour Cordes, où Sicard de Lunel est soi-disant présent, ça se cantonne dans la vallée de la Goutte, ou sur les hauteurs de la Montagne Noire, ou même un petit peu dans les monts de la Cône. Et Opoul est certainement déjà le siège de l'évêché cathare de l'Albigeois, de par sa situation assez escarpé et imprenable. Alors, nous passons maintenant directement à des gens un peu plus importants dans la hiérarchie. Le premier, c'est un certain Johan du Collet. Alors, pareil, les noms sont un peu francisés. Hein. On pourrait l'appeler Jean du Collet. Johan, Tsoan, en occitan, c'est son nom. Il est mentionné comme évêque, donc la plus haute autorité pour l'Église cathare, qui s'est calquée sur celle de l'Église catholique. Johan du Collet, donc, évêque connu seulement pour 3 ans, donc c'est pas beaucoup, mais entre 1240 et 1243. Il est basé donc à Opoul, du côté de Mazamé, et il est probablement parti en Lombardie après 1243, parce que quand il y a le siège de Montségur en 1243-44, les assiégés de Montségur reçoivent des lettres de quelqu'un, alors c'est pas signé, mais qui est évêque cathare de l'Albigeois en Lombardie. Donc on présume que c'est lui qui s'est exilé en Lombardie. Alors pourquoi la Lombardie? Parce qu'en Lombardie, il y a une église cathare qui est similaire à celle qu'il y a en Languedoc. Celle de Lombardie est dans ces années-là moins persécutée que celle de l'Albigeois, du Carcassonnais ou du Toulousain. Mais ça va pas tarder, hein, puisque dès la fin du XIIIe siècle, ils vont être aussi persécutés à Lombardie. Donc, Johan du Collet, on va reparler de lui de temps en temps et de son frère qu'on verra plus tard. Le deuxième personnage, alors lui, il est très intéressant, mais en même temps, il est assez méconnu. Alors, en fait, il est très connu, mais pas bien connu. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a 2 noms. Donc, parfois, on l'appelle Sicard de Lunel, et d'autre part, on peut l'appeler Sicard de Figueras. Alors, dans les textes, ce n'est pas le même homme, mais on pense que c'est le même homme. Donc, assez difficile, mais à part quelques dates qui ne concordent pas, toutes les autres dates fonctionnent. Donc, aujourd'hui, les historiens pensent qu'il s'agit du même homme. Ce Sicard de Lunel, donc, c'est lui qui apparaît donc, dans les années 1224 à Cordes. Il y vit dans une maison avec d'autres hérétiques, et il tient une maison de tisserand,
et ils sont donc tisserands à cordes, avec des gens qui sont des alentours de cordes, notamment de Saint-Marcel, dont on a parlé la dernière fois, qui a été rasé, du moins démantelé par les troupes de Simon de Montfort, et la population s'est réfugiée en grande partie à cordes, et ils sont donc beaucoup de gens de Saint-Marcel dans l'entourage de ce sicard de Lunel. On va le retrouver au mas de Somplessac. Alors, je ne vais pas beaucoup parler du mas de Somplessac, mais il faudrait faire une conférence juste sur ce petit lieu-dit qui est dans le Tarn-et-Garonne. Ce lieu-dit où toute l'église cathare, que ce soit celle de l'Albigeois, Kersir ou Ergues, est passée. C'était vraiment, apparemment, dans ces lieux qu'on appelle aujourd'hui le Tarn-et-Garonne, c'était plus calme pour eux qu'en Albigeois. Donc, beaucoup de cathares y sont allés. Mais il faut aussi dire qu'en 1239, évidemment, comme tout le monde le sait, plus ou moins, ce qu'ils sont dans ce mas de Somplessac, ils se font arrêter par des gens de l'Inquisition du côté du mas de Somplessac en Tarn-et-Garonne. Et c'est un grand coup de filet pour l'Inquisition, puisque c'est quasiment toute la hiérarchie cathare qui se fait attraper. Mais par un miracle, si j'ose dire, l'année d'après, en 1240, ils sont tous vus libres. Alors on peut imaginer que si l'Inquisition les avait attrapés, véritablement, ils ne seraient pas ressortis libres. Ça, c'est une certitude. Il y a eu en 1240 une révolte dans le Languedoc, avec un dernier retour de Trincavel. Trincavel qui a essayé de faire le siège de Carcassonne en 1240, et quelques endroits, notamment dans l'Albigeois, se sont révoltés à ce moment-là. Et on pense qu'à la faveur de la révolte de Trincavel, les cathares emprisonnés ont été libérés. Voilà pourquoi on les retrouve libres en 1240. Ils y sont quasiment tous passés à ce moment-là dans les prisons. Puis, donc, ce sicard de Lunel, on a beaucoup d'informations sur lui. Il se déplace, vous voyez, entre Fiac, Lavore, donc beaucoup du côté de Lavore, mais aussi dans le sud de l'Albigeois, du côté de Palleville, mais aussi du côté de la Grésigne, puis celle-ci, Montégut, qui est l'ancienne Lisle-sur-Tarn, puisque Lisle-sur-Tarn a été fondée que quelques années après. Et donc, vers 1255, on n'a pas la date exacte, Sicard de Lunel, il abjure sa foi. Il se fait d'abord attraper par l'Inquisition. Il abjure sa foi et il va devenir un partisan zélé de l'Inquisition. C'est étonnant d'ailleurs qu'il soit... C'est le seul personnage d'ailleurs qui est passé de évêque cathare à totalement l'inverse et à devenir un des chantres de l'Inquisition. Il va livrer une vision précise de l'Église cathare d'alors, puisque ses dépositions, elles sont assez nombreuses. Il dénonce, j'ai fait 546 personnes. Voilà. Il dénonce à lui tout seul 546 personnes. Il est donc au service de l'Inquisition. Il va même aller en Italie pour l'Inquisition. Et il va finir ses jours dans le château Narbonnais à Toulouse avec les membres de l'Inquisition. Vraiment un personnage important qui est à la fois donc un chantre de l'évêché cathare, puisque ça a été un évêque cathare, et qui va devenir un chantre de l'Inquisition. Le traître par excellence pour les cathares qui restaient. Le passage donc de Sicard de Lunel ou de Figueras dans l'Albigeois, que l'Albigeois, parce que je vous ai dit, il est allé en Italie, etc. Donc que pour l'Albigeois, évidemment, beaucoup le sud-albigeois, un petit peu l'ouest de l'Albigeois, et puis jusqu'en Tarn-et-Garonne. On continue avec un autre évêque, le dernier évêque connu, donc il y en a trois, Johan du Collet, Sicard de Lunel qu'on vient de voir, et le frère de Johan, qui s'appelait Émeric du Collet, qui était au départ diacre, cathare, peut-être du côté de Lautrec, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, il apparaît dans un petit village, même dans un petit hameau, l'hameau de la Grélarié, pour ceux qui connaissent, c'est à Brousse. Vous voyez Brousse, entre Lautrec et Groyer. Et d'ailleurs, moi j'y suis allé il n'y a pas longtemps, je ne savais pas que c'était... Je l'ai découvert par la suite. C'est un hameau qui existe toujours. Et c'est dans ce hameau qu'apparaît Émeric du Collet. Alors pareil, alors lui, on a beaucoup de choses aussi sur lui, parce que Sicard de Lunel, qui vient de se faire attraper, il balance tout, ouais, donc on a beaucoup de choses sur lui. Il voyage beaucoup, mais dans l'Albigeois, le Lauragais, la Montagne Noire, il va même du côté de Minerve, il va évidemment dans le Quercy, remonte jusque dans le Lot, et on a une mention, alors oui, il se fait kidnapper, 1239 avec les autres, libéré donc dans les années 1240 à la faveur de la révolte de Trincavel. Il va donc à Opoul se réfugier
Encore une fois, on pense que c'est le cœur de l'église Kata. Et alors, on le retrouve, on va en parler tout de suite, dans les années 1272, donc on est 30 ans plus tard. Il est probablement à Lombardie, puisque un homme, Amblard Vassal, va ramener du pain béni par Émeric. Émeric, donc, qui vit à Lombardie, il bénit du pain, et Amblard Vassal va faire l'Albigeois, Lombardie, Lombardie, l'Albigeois, avec ce pain béni pour les donner à des croyants du Rouergue. Voilà un peu la situation. Vous voyez que si on met les points les uns sur les autres, on est toujours dans les mêmes régions, hein, à peu près. Vous allez voir que ça va évoluer. Alors, je vais beaucoup parler, là, dans les instants qui suivent, du château de Larocque, donc qui se situe à Saint-Antonin-de-la-Calme. Donc, il y a dans l'assemblée Laurent et Pierre qui s'occupent du château. Alors, ce château de Larocque, qui s'appelle aujourd'hui, qui a été renommé Castelrocque, donc il y a une association qui s'en occupe, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites, c'est très intéressant, et puis il y a ce qui est la plus belle tour de cette époque-là, probablement 13e, le sujet de la datation est encore à définir, mais c'est une très grande tour qui fait plus de 20 mètres de hauteur et qui est en très bon état, qui possède encore ses deux salles, etc., et qui, peut-être dans l'avenir, aura même la toiture, si tout se passe bien. Continuons. Donc, je vais parler de cet Amblard Vassal qui ramène ce pain béni. Alors, Amblard Vassal, il est chevalier du château de Larocque. Alors, il n'est pas exactement chevalier. Dans le texte, il est dit « domicellus », qui veut dire, en français, on traduit ça par « damoiseau », pas un terme qui est très joli, on pourrait dire « écuyer ». Donc, c'est une personnalité plutôt de la noblesse castrale. Cet Amblard Vassal, il est donc à Arifat. Et puis donc, il va aller à Verfeil. Alors, Verfeil, pas celui qui est vers Toulouse, hein, mais celui qui est en Rouergue, Verfeil-sur-Seille. Et il va amener donc du pain béni par l'évêque cathare qui est en Lombardie. Alors, vous voyez, je vous ai mis l'extrait de la déposition de cette dame qui s'appelle Pétronille de Castanet, qui est habitante de Verfeil, et qui du coup dit, je vous le lis, « Amblard Vassal, fugitif pour hérésie, venant de Lombardie, m'a apporté du pain béni des parfaits de leur part. » Le même Amblard a salué mon mari Guillaume de Castanet de la part d'Emery du Collet, évêque des hérétiques. J'ai mangé de ce pain béni, étant moi-même que mon mari Guillaume de Castanet avons reçu cet Amblard avec grande joie. Ce fugitif Amblard est venu dans le pays chez moi avec d'autres fugitifs deux fois. » Donc là, elle dénonce donc Amblard de Vassal. Et cet Amblard de Vassal, quand il rentre de Lombardie dans les années 1272, il va se faire attraper par l'Inquisition. Et il va être donc emprisonné. Et on a donc la déposition d'Amblard de Vassal. Tu peux passer. Voilà, il est arrêté donc quelques années plus tard par l'Inquisition. Il passe aux aveux. Et donc il raconte un petit peu, je vous ai résumé ce qu'il dit, c'est que donc il vivait. Alors je vais peut-être vous lire, j'ai la déposition ici que j'ai retranscrite et je vais vous la lire. Alors ce n'est que le début, il y a à peu près une dizaine de pages de déposition. Elles ont été traduites par Jean Duvernois et sont disponibles dans les livres de Jean Duvernois. C'est donc la traduction, le début que je vous lis. « L'an du Seigneur 1274, le mardi après la Saint-Matthieu, Amblard Vassal de la Roque d'Arifat, en fuite pour hérésie, amené prisonnier, témoin ayant prêté serment. » Donc là, c'est Amblard de Vassal qui parle. « Dans le mas del Puech qui était à moi, j'ai vu pour la première fois des parfaits. » à savoir Raymond Gauthier et son compagnon que je ne reconnus pas. Et là, moi-même et ma femme Esseline, poussés et instruits par ces parfaits, les adorâmes, les genoux fléchis en disant « Bénissez ». Les parfaits répondant « Dieu vous bénisse ». Ces parfaits mangèrent aussi du pain et des fruits qu'ils portaient sur eux et de l'eau qu'ils trouvèrent là. Ayant mangé, ils partirent. Ils étaient nuits quand ils vinrent et quand ils partirent. Il y a 16 ans environ, donc on est dans les années 1258. 8 jours après, ce même parfait, Raymond Gauthier, revient chez moi. Et avec lui, 9 ou 10 personnes, parmi lesquelles il y avait Raymond de Mondredon, Hermingo de Roquemort, et Roque des frères de Berland, et Pierre Aguillon de Lagrifoule, fédit et fugitif pour hérésie, portant des armes, à savoir des arbalètes et des arcs, des épées et des couteaux.
Ça, c'est le début de la transcription donc, du témoignage d'Amblard de Vassal. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous apporte, qu'on soit historien ou archéologue, des informations. Et le premier mot, quand il dit « dans le mas del Puech qui était à moi ». Alors peut-être que Pierre et Laurent connaissent, mais le mas del Puech, c'est à même pas un kilomètre en face du château de la Roque. Donc on a des informations assez précises. Et puis après, quand il dénonce un peu tout le monde, là, qui dit « il y avait Raymond de Mondredon », donc c'est Mondredon l'Abbé-Saunier, Hermengo de Roquemaure, Roquemaure c'est à l'Abbé-Saunier aussi, c'est un petit lieu dit, et les frères de Berland, Berland c'est aussi un lieu dit à Mondredon-l'Abbé-Saunier, où il y avait une église, et quand il dit frère Berland, c'est possible que ce soit un clerc, Pierre Aguillon de Lagrifoule, Lagrifoule étant aussi à Mondredon-l'Abbé-Saunier. Donc là, on a des informations assez précises sur les gens qui étaient plus ou moins seigneurs, ou du moins écuyers et damoiseaux dans ces années-là. Voilà pour Amblard de Vassal. Donc c'est intéressant parce que là on a le château de la Roque. Et il faut dire aussi que Amblard de Vassal, la famille de Vassal, elle nous intrigue beaucoup à l'archéologie puisque c'est une famille qu'on retrouve un peu partout en Albigeois dans ces époques-là. À la même époque, un vassal est seigneur de l'Escure, un vassal est seigneur des Avalates, un vassal est seigneur d'une petite bastide, enfin plutôt un château, un castrum, qui est sur la commune de Saint-Grégoire, qu'on fouille d'ailleurs avec l'archéologie. Et vous avez un vassal qui est chevalier aussi à Lombers. Donc vous voyez, cette famille vassale quadrille comme ça le territoire avec sa famille. On change, on a un autre personnage qui apparaît aussi dans ces années-là, Bernat de la Garrigue, donc originaire du Tarn-et-Garonne. On le retrouve la première fois en Italie, toujours en Lombardie. Et vers 1269, il revient dans sa région natale, il a été capturé et il devient un familier de l'Inquisition, lui aussi. Et il va être une sorte d'agent double, il y a toute une histoire, alors là je vous conseille de lire les travaux de Jean-Louis Biget, qui explique bien le rôle de Bernat de la Garrigue, parce qu'on le mandate pour voler les registres de l'Inquisition. Parce que comme il est un familier de l'Inquisition, des chevaliers de Carcassonne notamment, mais aussi du Lauragais ou du Cabardès, ont décidé de voler les registres, mais parce que peut-être qu'ils s'y trouvaient dessus aussi. Donc on se dit, lui ça peut être pas mal, parce qu'il a déjà la clé du coffre dans lequel sont les registres. Le problème c'est que Bernard de la Garrigue, il ne sait pas lire. Alors il prend avec lui un type qui sait lire, mais quand ils arrivent, alors il faut lire ça, parce que là on a toutes les transcriptions, on a des dizaines et dizaines de pages, on a une quinzaine de gens qui sont coupables de complot, qui racontent leur version. Donc c'est des procès-verbaux. Et donc on peut comparer, les 10 versions sont à peu près les mêmes, ils se dénoncent tous les uns les autres, et ils racontent tous la même chose. Ils se sont vus 7 fois avant de faire le complot, chaque fois à un endroit différent pour ne pas se faire attraper. Bon, et au final, quand ils arrivent donc, devant le coffre, il n'a pas la clé, la clé a été modifiée, donc le complot échoue lamentablement et ils se font tous attraper. Et Bernat de la Garrigue vraiment fait partie intégrante de ce complot. Nous avons un autre personnage, Peyre Capel. Alors lui, il est du côté de Lautrec. Il apparaît dans les années 1230. Il voyage souvent donc, avec les frères du Collet, dont on a déjà parlé. On les voit en 1239 dans la tour de Cocalière, à côté de Mazamé et Opoule. Il se fait capturer, toujours pareil, en 1239 à son Plessac. Il se retrouve libre, toujours pareil, en 1240 à Peine. Et on le voit, donc, Opoule, Viterbe, Montégut, puis celle-ci. Et donc, je vous ai fait une petite carte. Vous voyez, là encore, on est toujours à peu près dans les mêmes zones. Un autre personnage, Guillaume Gary, pareil, mentionné à Lautrec à la même année. Alors là, on a des rencontres fortuites. Alors lui, il rencontre Peyre Caudière sous un noyer. Des fois, on a des choses très précises, comme ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Il se fait capturer par deux sergents d'un certain Barthas. Alors c'est rigolo parce que ce Barthas, il a eu une paralysie. Donc, il se dit, il faut que quelqu'un me soigne. Alors, par rumeur que les cathares ont des vertus presque thaumaturges. Ils vont guérir presque par leur présence. Donc il fait kidnapper ce Guillaume Gary. On lui fait venir. Alors lui, il se fait kidnapper par des chevaliers. Il arrive devant Barthas. Il lui fait 3 prières. Et puis la paralysie passe, évidemment. Donc il est libéré.
Et on le voit donc après, encore une fois, à Lautrec, quelques années plus tard. Donc on le voit sur à peu près une quinzaine d'années, il est toujours à Lautrec. Donc lui, vous voyez, Lautrec et Lavaur quand il va soigner le fameux Barthas. Dao des Morts, alors lui, c'est peut-être aussi un diacre du côté de Mondredon, l'abbé Saunier. Il est mentionné qu'une seule fois, quand le fameux chevalier Barthas, celui dont on vient de parler, se fait arrêter par l'Inquisition. Il est dénoncé, donc, et on le voit donc du côté de Mondredon, et il a peut-être été diacre de Mondredon-l'Abbé Saunier. Donc lui, il n'est mentionné qu'à Mondredon. Donc voici donc le résumé de cette hiérarchie de l'église cathare en Albigeois. Vous avez donc les évêques, Joan du Collet, Sicard de Lunel qui a tout avoué par la suite, Émeric du Collet qu'on retrouve donc en Lombardie. D'ailleurs, Émeric du Collet, quand on voit qu'il bénit Le Pen là, et qu'Amblard de Vassal le ramène, Émeric du Collet a probablement été victime de l'Inquisition à Lombardie, puisque à Lombardie, en 1276, l'Inquisition va brûler 200 cathares et va mettre quasiment un terme à l'église de Lombardie, et ils vont faire le feu dans les arènes romaines qu'il y a à Vérone. Un fils majeur, bon, le fils majeur c'est celui qui suit l'évêque, et quand l'évêque meurt, il devient par la même évêque, le Bernard de la Garrigue dont on a parlé, et puis vous voyez environ 6 diacres dont on a parlé. Et là je vous ai mis donc les lieux où sont mentionnés les membres de la hiérarchie cathare entre donc la fin de la croisade et les années 1280, et on le voit, on est plutôt sur le sud albigeois, la vallée de la Goutte, et un peu dans les montagnes, et puis après du côté de la Grésigne, et évidemment en Quercy, hors albigeois. Et là où je vous ai mis les petites croix à l'intérieur, donc vous avez Fiac, Lautrec, Le Vintrou et Mondredon, les lieux où il y avait probablement un diacre affilié. Passons maintenant donc à l'histoire de ces 11 prévenus qui sont passés devant les tribunaux de l'Inquisition entre 1285, 1286 et même 1287. Alors là, J'ai choisi ces prévenus parce que ces registres ont été traduits très récemment, il y a 2 ans qu'ils ont été traduits, traduits donc du latin au français. On peut passer, voilà. Alors déjà, oui, le registre, il nous vient, on n'a pas l'original, mais on a une copie qui a été faite en 1574 par un archiprêtre, Bertomieu Planavergne. Et le manuscrit est conservé donc à la BNF. Et le texte latin a été établi par Alix de la Prélévêque et traduit donc par Ruben de la Bastide. Je peux vous dire que c'est un travail colossal. Hein. C'est vraiment un travail, mais c'est formidable parce que c'est une mine d'informations, notamment pour l'albigeois. C'est pour ça que j'ai choisi ce registre. Et donc, vous voyez, ce registre, c'est 11 croyants qui sont interrogés à Albi par le très fameux Bernard de Castanet, qui est surtout connu évidemment pour avoir fait la cathédrale d'Albi, Il n'a pas fait lui-même la cathédrale, hein. Il a demandé à ce qu'on fasse une cathédrale, et il sera, vous le savez, quelqu'un d'assez virulent envers les cathares et envers d'autres personnes, hein, puisqu'on dit peu, mais Bernard de Castanet a été vraiment un tortionnaire. On a de nombreux actes d'accusation contre lui. Il a brûlé un certain nombre de personnes, il en a torturé pas mal d'autres. Ici, Bernard de Castanet, donc, qui est seigneur d'Albi, mais qui est aussi évidemment l'évêque et qui va être le premier chantre de l'Inquisition à Albi. Donc je vous ai mis un... pour essayer de vous expliquer comment fonctionne l'Inquisition, parce que ce n'est pas très simple à comprendre, mais j'ai essayé vraiment de simplifier au maximum pour que vous compreniez. Bernard de Castanet est l'instigateur juge principal du procès. Alors, les entêtes, chaque fois, il y a des entêtes sur les dépositions. Elles le définissent comme juge ordinaire d'Albi et de l'Albigeois, mais aussi inquisiteur de la dépravation hérétique dans cette même circonscription. Il a des assesseurs, qui sont les prêcheurs, des dominicains. Donc, ici, pour ce registre, Guillaume de Monclar, Jean de Felgos et Guillaume de Peyrelatte. Il a aussi 2 autres personnes qui sont avec lui, l'archiprêtre de Castres, Joan Molinier, et un chanoine de Cahors, Bernard de Monestier. Et pour les notaires, pour le premier dépositaire, il y a un notaire qui s'appelle Guillaume de Tréverge, et pour la suite, Joan de Roucoule, assisté de Raymond de Malviès. Alors, Guillaume de Tréverge, lui, il était intéressant parce que
il notait ce que disait le prévenu, directement. Donc on a les paroles du prévenu. Tandis que les Johan de Rocoule, lui, il va dire « le témoin a dit que ». Donc on n'a pas du direct, on a de l'indirect pour la suite. Donc c'est souvent un peu moins précis. Je vous ai mis un petit schéma, Bernard de Castanet, les assesseurs, les deux prêtres qui l'assistent et le notaire qui note les dépositions. La procédure, elle est à la fois simple et complexe, instituée donc l'Inquisition par Innocent III dès son accession au pouvoir, mise en place concrètement dans les années 1230. On a donc un premier moment qui s'appelle l'Inquisition, qui est le temps de grâce. L'Inquisition, c'est l'évêque, en l'occurrence là Bernard de Castanet, qui dit pendant 6 mois, lors du sermon qu'il fait, pendant 6 mois, ceux qui viendront spontanément dénoncer leurs petits camarades seront libres. C'est un appel à la dénonciation contre une non-condamnation. Par la suite, donc, il y a des gens qui arrivent, et donc il y a des citations des personnes à comparaître. Alors là, c'est simple, si on y va, très bien, et si on n'y va pas, on est condamné directement par contumace, comme on le fait aujourd'hui quand un prévenu ne se présente pas. Le troisième moment, c'est la déposition elle-même, où le prévenu donc, parle devant le tribunal. Alors le tribunal, il ne pose jamais de questions. Ils sont très, très filous sur ça, c'est qu'ils laissent parler. Et ils ne font que poser des questions pour préciser, par exemple, à quelle heure c'était, avec qui c'était, mais ce n'est pas eux qui dirigent l'interrogatoire. Et par contre, quand ils ont des informations d'une autre personne, ils vont dire « oui, mais monsieur Machin nous a dit que… » Et donc là, ils vont affiner leur réquisitoire comme ça. Le tribunal peut convoquer autant de fois qu'il veut le prévenu, et vous allez voir qu'ils ne vont pas y manquer, et ils sont jugés donc soit sur leur aveu, soit sur ce qu'ils n'ont pas voulu dire. Vous avez donc de grandes chances d'y passer. Et la condamnation, alors c'était le fait de nier ou de ne pas avouer, ça a exposé souvent à la prison, voire au bûcher, plus rarement. L'Inquisition n'a recours à la torture qu'après 1252. Entre 1230 et 1252, l'Inquisition n'est pas autorisée, la torture, pardon, n'est pas autorisée, elle n'est autorisée qu'après. C'est surtout en fait les conditions de détention qui font partie presque de la torture elle-même. Je vais vous en parler. Et là, vous avez deux termes très importants. Et il ne faut pas oublier, l'Inquisition, on a souvent une image très noire de l'Inquisition, puisqu'on a en tête souvent l'Inquisition du temps des Espagnols, avec les Indiens, etc. Bon, l'Inquisition, dans ce cas-là, c'est quand même assez strict. Alors certes, il y a de la dénonciation, il y a de la prison, il y a parfois des condamnations au bûcher, mais durant les 70 ans, les plus de 70 ans de l'Inquisition, que ce soit Toulouse, Carcassonne, Albi, elle a fait moins de morts que Simon de Montfort en 6 mois, entre 1210, en gros entre le bûcher de Minerve et le bûcher de Lavaur. Donc, sur un temps de 3 générations, elle a fait moins de morts que Simon de Montfort lui-même lors de la guerre. Faut pas oublier ça. C'est souvent... Pourquoi, en fait, ils ne condamnent pas au bûcher ? Ils condamnent très peu au bûcher parce que c'est un échec. Et condamner au bûcher, ça veut dire qu'il existe vraiment des cathares. Donc, c'est vraiment le dernier recours du dernier recours. Et certains, évidemment, vont être plus zélés que d'autres. Bernard de Castanet va en brûler quelques-uns. Vous savez, notamment, on brûle les morts. C'est donc quelqu'un qui dit non, c'est qui dit oui, telle personne, il y a 30 ans, je l'ai vue, elle a reçu le consolament, c'était à tel jour, telle heure, à tel endroit. On va déterrer le corps dans le cimetière. Donc, depuis 30 ans, vous doutez bien qu'il ne restait pas grand-chose. Et on le brûle devant tout le monde pour faire un exemple, y compris sur les morts. Ça a beaucoup choqué. Et dans les premiers temps de l'Inquisition, les Albigeois notamment vont se révolter face à ça. À Carcassonne, ils vont se révolter aussi, et même à Toulouse, parce que ce ne sont pas des pratiques qui sont chrétiennes par essence. Donc ça, c'est vraiment ce qui va choquer. Ce que fait l'Inquisition, quand elle a des aveux, le plus souvent, elle condamne à de la prison. Il ne faut pas oublier que l'Inquisition, elle a créé la justice moderne, c'est-à-dire un jugement. Avant, il n'y avait pas forcément de jugement, pas oublier. Un jugement et une condamnation à la prison. À la prison dans 2 cas. Alors vous avez ce qu'on appelle en français le mur large et en latin, intéressant, in camera, qui veut dire
Camera, c'est la chambre en latin, la pièce. Alors là, le mur large, c'est une pièce qui est assez grande, qui peut être assez grande. On ne peut pas imaginer un château, hein, mais qui peut être, je sais pas, 20-30 mètres carrés par exemple, ou plus parfois. Et il y a de nombreux prévenus à l'intérieur. Mais ils peuvent marcher et être dans cette pièce et discuter les uns avec les autres. Il y a une deuxième chose qu'on appelle le mur strict, qui est en terme latin in carcere, qui veut dire emprisonné durement. Et c'est aujourd'hui le terme. On incarcère une prison, quelqu'un dans la prison. C'est le terme qu'on a gardé en français et qui vient du latin, donc incarcere. Alors là, le mur strict, c'est différent. C'est une petite pièce, très petite, et la personne est attachée. Et parfois, comme à Carcassonne, elle ne peut même pas se lever ou se coucher. Et donc, c'est plus ça le traumatisme que le bûcher, finalement. C'est pour ça qu'ils ont tous peur de la prison que du bûcher lui-même. Ça, c'est deux termes intéressants. Donc, quand on lit les dépositions en latin, on voit des fois, alors au début, la première fois où il vient, il est mis in camera, donc avec d'autres, et puis il le faut revenir, et puis comme il avoue de plus en plus, hop, il est mis in carcere, au mur strict. Et parfois, si on l'absout, ou du moins s'il fait il a des remords, on va le remettre in camera. Voilà. Bon, vous avez compris à peu près le processus, hein. Vous voyez, c'est un processus assez simple, codifié, qui ne déroge pas à la règle. Il y aura même plus tard Bernard Guy qui va faire un manuel de l'inquisiteur pour bien se rappeler comment il faut faire. Et d'ailleurs, Bernard de Castanet avait fait une liste personnelle sur un calepin et qu'il avait donné à Bernard Guy en disant « Tiens, n'oublie pas cela. » Voilà. Passons donc aux crimes. Parce que oui, quels sont les crimes finalement ? Alors, il y en a plein. Alors, les crimes liés donc aux hérétiques eux-mêmes. Alors, la visio, le fait de voir un hérétique. Donc, vous êtes au marché, puis vous avez vu, tiens, ce type, il est cathare. Donc, ça, c'est déjà un crime. L'audition, c'est l'entendre parler. L'adoration, c'est-à-dire aller l'écouter ou lui rendre hommage. La participation, alors là, c'est vraiment être proche de lui. La comestio, c'est manger avec lui, si vous avez mangé à sa table et partagé son pain. La réception, donc là, c'est vraiment être avec lui et se faire et aller chez lui, par exemple, aller dans une maison d'hérétique. L'adduction, qui est un combiné de tout ce que je viens de vous dire, et puis le pire, évidemment, l'hereticatio en latin, donc recevoir le consolament de la part et devenir donc par là même un croyant cathare. Ça, c'est pour tout ce qui est lié directement donc au cathare. Et puis vous avez être agent des hérétiques, puisque vous allez le voir, les cathares, ils sont chassés pour chasser, donc ils ont besoin d'agents, tout simplement. C'est souvent des personnes qui sont de petites conditions, des petits paysans, par exemple, qui n'ont pas de grand-chose à perdre, et ils se font rémunérer pour trouver une cache, pour mettre en lien telle personne avec telle personne. Et c'est ces agents-là qui seront les plus pourchassés par l'Inquisition, parce que c'est eux qui connaissent tout. Et on va en voir un dans la procédure. Et puis, vous avez aussi la relapse. Alors là, c'est le pire pour l'Inquisition, c'est-à-dire vous êtes cathare, vous abjurez la foi cathare en disant « j'ai fait une erreur, c'est terrible, je veux recevoir l'absolution ». Donc l'Église vous absout, et là, vous redevenez cathare. Donc là, c'est le pire, on vous crame directement. Hein. Là, il n'y a pas de... On vous a laissé une chance, pas deux. Et alors, vous avez vu, quand je vous mets un point jaune, c'est prison, et un point rouge, c'est directement au bûcher, et le vert, c'est le seul truc où on peut être libéré. Donc, il faut juste l'avoir vu au marché en passant. Et après, vous allez passer à la question et vous allez peut-être dire autre chose. Donc, il n'y a pas beaucoup de points verts, vous allez le voir. Alors, le premier, Raymond de Baffignac. Alors, lui, il est très intéressant. C'est le premier donc, qui passe devant le tribunal. Alors, il est entendu à 12 reprises. 12 reprises, ça veut dire qu'on le fait venir une première fois. Alors, il avoue certaines choses. Puis, il revient en prison. Là, il est possiblement torturé. Alors, je vous donnerai des exemples, comment ils expliquent, comment trouver dans le texte quand la personne a subi la torture. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc, il passe 12 reprises devant le tribunal, il confirme ses aveux en 1287, ça fait donc déjà au moins un an qu'il est retenu en prison.
Raymond Baffiniac, c'était une personne assez riche, un marchand qui a été consul de Castres, donc c'est vraiment, il fait partie de l'aristocratie. Il est plutôt âgé et il fait remonter ses premiers souvenirs avec les Cathares 30 ans auparavant. Donc ce Raymond de Baffiniac, alors je vais vous lire un petit extrait, chaque fois pour chaque personne, je vais vous lire un petit extrait de sa déposition. Alors Raymond de Baffiniac, il y a 70 pages. 70 pages, parce que lui, il s'est dit, bon, si plus je dis de choses, plus j'ai de chances de sortir libre. Comme il avait des intérêts, qu'il était d'une certaine aisance financière, qu'il avait des choses à perdre. Pas oublier que quand on est condamné, on condamne aussi sa famille. Je ne vous l'ai pas dit, mais si lui, par exemple, il est condamné, c'est ses biens qui sont confisqués. Alors officiellement, dans le texte, ils doivent être détruits. Mais bon, c'est un peu bête de détruire des choses qui ont de la valeur. Donc, l'évêque notamment va partager ça entre lui et le roi de France. Voilà. Et on va en parler tout à l'heure. Mais Raymond de Baffiniac, il a des choses à perdre, donc il parle beaucoup. Il y a 70 pages de 12 reprises, hein, donc à 12 fois, il va rajouter des choses, il va préciser, il va... Alors, je vous lis un passage. De même, le dit Raymond de Baffiniac, la même année, le 7 des Ides de février, placé en présence des susdits seigneurs évêques et frères prêcheurs, et de moi, notaire, dit et confesse spontanément que juste avant la dernière Pâque, il vint au castrum de Lombers, au diocèse d'Albi, pour acheter de l'avoine. Il fut hébergé dans une auberge communale où les étrangers ont l'habitude de descendre. Émeric de Foissens, citoyen d'Albi, qui l'avait vu d'abord sur la place et qui l'avait invité avec insistance, vint le trouver et lui déclara que ses amis, à savoir les hérétiques, étaient dans la ville de Lombers et qu'ils voulaient le voir. Il le suivit. S'étant rendu sur la place publique, ils trouvèrent Gaillard Sabatier et Johann Cairel de Lombers assis sur le présentoir d'une officine. Ils se joignirent à eux, ils se mirent ensemble, tous les quatre, à savoir lui, le témoin qui dépose, le susdit Émeric de Foissens et les susdits Gaillard Sabatier et Johann Cairel. Ils allèrent ensuite à une maison neuve dans la ville basse, près de la dite place, où ils trouvèrent les dits hérétiques. Ils les adorèrent trois fois en fléchissant les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ils restèrent là longtemps. Alors qu'il faisait déjà nuit, Émeric de Foissens dit à toutes les personnes susdites « C'est déjà le moment de partir ». Sortant de là tous ensemble, à savoir le dit témoin qui dépose, Émeric de Foissens et le susdit Gaillard de Sabatier et Johann Cairel, ils montèrent au castrum. Or, comme ils approchaient, ils virent le seigneur, Hugues Adhémar, qui se tenait à l'extérieur de la barbacane du dit castrum. Quand le susdit seigneur Hugues Adhémar les vit arriver, il entra dans le dit castrum à la vue et à la présence de témoins, et les autres personnes susdites entrèrent après lui avec les hérétiques dans le dit castrum. Ensuite, lui, le témoin, qui était resté à l'extérieur, les quitta, renvoyé par le susdit Émeric de Foissens. Interrogé s'il sait si les dits hérétiques restèrent longtemps dans le dit castrum après y être entrés, il dit qu'il n'en sait pas plus, mais il pense que oui, parce que les dits hérétiques lui avaient dit qu'ils étaient venus au dit castrum pour trouver refuge et protection par crainte de l'Inquisition et des inquisiteurs. Bon, je vous ai lu qu'un petit passage. C'est le seul passage où on a mention, dans toutes les dépositions, où un seigneur d'un lieu, en l'occurrence Lombers, protège, aux yeux et aux vues de tous, ils le disent, les cathares de l'Inquisition. C'est pour ça que je vous ai lu ce passage, c'est intéressant. Et puis alors après, il y a des choses qui sont intéressantes quand on fait de l'archéologie, de l'histoire, c'est qu'on a des choses qui sont dites sur les lieux. On nous dit dans la ville basse, près de la dite place, etc. etc. Il nous dit qu'il y a une barbacane au castrum. Donc là, pour nous, c'est des choses intéressantes qu'on n'a pas forcément dans les textes de notaires classiques. Voilà pour ce Raymond de Baffiniac, qui est donc un des rares à sortir libre. Alors, il a une petite pénitence. Alors, ça peut être porter une croix jaune. Vous savez, on vous coud une croix sur le cœur et dans le dos pour signifier que vous êtes cathare ou proche des cathares. Et vous devez la porter pendant tel un temps, ou plus, ça peut être quelques mois ou même quelques années, voire même à vie. Et on a des textes qui nous disent que certains les cachent, ils mettent une cape par-dessus. Et quand ils sont contrôlés, ils disent « Ah non, mais je la porte vraiment. » Vous voyez, c'est une façon de la porter sans la porter.
Et ça ressemble à ce que feront porter pendant la Seconde Guerre mondiale les nazis aux juifs. Ça vient notamment de ça, mais il y a aussi la rouelle pour les juifs du temps de Saint-Louis, etc., etc., qui est la même époque. Voilà pour Raymond de Baffignac. Le deuxième, Arnal Agasso, il a déposé donc, pendant 3 jours. Il a confirmé ses aveux quelque temps plus tard. Alors lui, c'est un... Vraiment, il fait partie des petites gens, il n'a pas grand-chose. Il a travaillé comme garçon de ferme dans la famille Prunel à Saint-Paul-Cap-de-Joux. Pareil, on a des informations assez précises. Et vous voyez, quelques temps plus tard, il vivait à Serviès et il avait suffisamment épargné pour s'acheter une petite pêcherie sur la Goutte. Là, vous avez l'ascension sociale de quelqu'un qui n'était qu'un garçon de ferme et qui parvient à diriger une pêcherie. Alors, je vais vous lire un passage de sa déposition, qui peut être intéressant aussi. Le dit Arnal Agasso dit qu'un jour, il y a 20 ans environ, alors vous avez vu, il faut qu'il aille chercher dans ses souvenirs, des souvenirs de 20 ans, hein, alors qu'il demeurait dans la localité de Saint-Paul-Cap-de-Joux, au diocèse de Toulouse, dans la maison de Peyre, de Guillem et de Bernat Prunel, frère. Le dit Guillem Prunel, qui était à l'époque savetier, dit à lui Arnal qui dépose. « Si tu veux me croire et me faire confiance, moi je ferai en sorte que tu deviennes un homme riche. » Comme Arnal lui demanda le moyen par lequel il le deviendrait, le dit Guillem Prunel lui répondit que lui, Guillem, voulait partir et devenir un bon homme, sous-entendant par là qu'il avait l'intention de se faire hérétique à ce que dit le témoin qui dépose. Le dit Arnal lui répondit qu'il ne le voulait pas et que cela ne lui plaisait pas. Quelques jours après cette discussion, le dit Peyre Prunel le chassa de sa maison, lui, Arnal, parce qu'il avait maltraité une vache. Alors vous voyez, alors lui il dit, oui, je travaillais chez des gens, alors eux, ils voulaient être cathares, mais moi, non, 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 ça hors de question. Et il se fait donc virer, puisqu'il a maltraité une vache. C'est un moyen aussi de se dédouaner. Alors lui, il dépose pas très longtemps, il va beaucoup quand même dénoncer, il va donner le nom d'à peu près tout le monde. Et c'est un des rares aussi qui va sortir libre, pareil, avec une pénitence à faire, mais une non-condamnation. Donc. Le troisième personnage, Raymond de Brain, auditionné 5 fois, on sait qu'il est jeune, mais il est probablement un clerc. Il a des liens avec l'Église, et ses souvenirs ne remontent pas à plus de 4 ans. Il vit et travaille donc chez son oncle, Père Émeric, à Albi. Pareil, je vais vous lire un petit passage. Ce sont des gens, là aussi, intéressants. Ce sont des... Parce que lui, il est un prélat. Donc, on peut imaginer qu'il a des liens avec l'Église. Alors, cathare, Église, ça ne fait pas forcément bon ménage, mais vous allez voir qu'à plusieurs moments, l'Église catholique n'est pas forcément du côté des inquisiteurs, bien au contraire. Alors, le passage de Raymond de Brain. Il dit qu'il y a un an environ, alors que lui, le témoin qui dépose et le dit Père Émeric, son oncle, s'était levé avant le jour, 2 hérétiques arrivèrent, suivis de près par Ponce Nicolau, possier d'Albi. Étant entrés dans la maison et montés à l'étage, ils entrèrent dans la pièce qui se trouve à main droite de l'escalier. Ensuite, les 10 hérétiques restèrent là pendant toute la journée. Les 10 hérétiques, Ponce Nicolau et le susdit Père Émeric, mangèrent ensemble, selon ce que lui, témoin, entendit dire par la suite, parce que lui, témoin, était alors dans l'officine à ce qu'il dit. À la nuit tombée, lui, le témoin, entra dans la dite pièce et il trouva les 10 hérétiques en compagnie donc, de Ponce Nicolau et de Père Émeric. Il adora les 10 hérétiques en fléchissant une fois les genoux à ce qu'il dit et en ôtant sa capuche. Lorsque la cloche du quartier sonna, le dit Ponce Nicolau et lui, témoin qui dépose, sortirent de la maison avec les susdits hérétiques. Lui, le témoin, se rendit avec les susdites personnes jusqu'aux environs de la maison d'Émeric de Foissens avec une lanterne. Et là, lui, témoin qui dépose, éteignit la lanterne parce qu'il tenait que le susdit Ponce et les 10 hérétiques le voulurent ainsi. Il pense qu'ils entrèrent dans la maison du dit Ponce, mais il n'en est pas certain parce qu'il les quitta sur leur demande et qu'il retourna à la maison d'où il était venu. Vous voyez, on a des choses très très précises dans ces registres. Vous voyez, il y a des choses très précises quand il dit entrant dans la maison, monter à l'étage, ils entrèrent dans la pièce qui se trouve à la main droite où il y a l'escalier, etc. On pourrait presque reconstituer les maisons dans lesquelles ils habitaient. Ça, c'est pour Raymond de Brain. Et lui, on pense, on est quasiment sûr, qu'il a fini en prison.
Alors, dans le texte, in camera, donc dans la pièce la plus grande, mais emprisonné. Arnal Kaber, alors lui, entendu à 6 reprises, il habitait Castres, c'était un paysan. Et alors là, je vais vous lire un passage intéressant qui est une hérétication, donc le fait donc, de devenir hérétique. De même, en l'an 1285, le jour des calendes de mars, Arnal Kaber dit et confesse spontanément, autrement dit, il n'a pas subi la torture, hein, qu'il y a environ 2 ans, la défunte épouse de Peyre Bouise de Castres, que l'on appelle familièrement Nabouise, fut malade de l'affliction dont elle mourut. Peyre Bouise, revendeur de laine, de fromage et de fil, envoya son fils chercher, lui, le témoin. Quand ils arrivèrent au logis de la dite malade, ils y trouvèrent, à savoir dans la chambre où il était alité, 2 hérétiques dont il a dit précédemment les avoir vus dans le logis de Peyre Prade de Castres. Et donc, et chacune de ces personnes, tant lui, le témoin, que les autres personnes susnommées, adorèrent les dits hérétiques en fléchissant 3 fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques, et la malade adora comme elle put. Ensuite, absoute et déliée des liens du mariage par son époux pour se donner aux hérétiques, elle demanda à être reçue dans leur foi et secte, espérant et voulant être sauvée par eux. Plaçant ses mains entre les mains d'un des dits hérétiques, ils la reçurent à la manière hérétique et l'hérétiquèrent selon le rite et l'usage des hérétiques, après avoir posé un livre sur la malade. Après cette hérétication, lui le témoin, ainsi que toutes et chacune des personnes susnommées, adorèrent de nouveau les dits hérétiques en fléchissant 3 fois les genoux selon le rite et l'usage, etc., etc. Là, on a le témoignage donc de ce qu'on appelle le consolament des mourants. Donc, ceux qui se sentaient mourir, étant évidemment catholiques, on se dit peut-être qu'il faut bien que je tente le catharisme. Parce que bon, au moment d'y passer, il vaut mieux 2 fois qu'une. Alors, ils font venir donc, les hérétiques qui donc, lui imposent les mains, ou notamment le livre, je vous en parlerai tout à l'heure, mais ce genre de livre qui a été traduit par Ivan Roustic, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, c'est le consolament des mourants. Si la personne ne meurt pas, elle est considérée comme si elle n'avait rien reçu du tout, parce qu'elle l'a fait en cas de maladie. Si on est bien portant et qu'on reçoit le consolament, on est et on devient cathare, d'accord ? Celui qui est malade, on considère qu'il l'a fait sans forcément le vouloir du fait de sa maladie. Voilà, par exemple, pour le passage dans un consolament des mourants, on est donc à Castres. Et lui, pareil, il finit en prison dans la pièce large. C'est toujours la prison, quand même. Alors, Raymond Vignals, pareil, il dépose pendant 2 jours. Il est le fils, qui est dit bâtard, de Vidal Vignals, qu'on verra tout à l'heure. Et donc, son père étant un agent des hérétiques, lui, il sait quand même des choses, évidemment. Donc, je vous lis un passage. De même, le témoin dit qu'il y a 4 ans environ, alors qu'il se promenait en dehors de la ville, Albi, avec le défunt Peyre de Mazières, qui avait un flegmon sous la gorge. Ce père lui montra 2 hérétiques qui entraient dans la dite ville d'Albi, tard le soir, sur la plaine de Saint-Salvi. Ce père de Mazières adora alors ces hérétiques, le premier sur place en fléchissant 3 fois les genoux selon le rite et l'usage des hérétiques. Ensuite, les 10 hérétiques se dirigèrent vers la cité, tandis que lui, témoin qui dépose, et le dit père de Mazières reprirent leur promenade. Interrogé pour connaître celui qui accompagnait les 10 hérétiques quand ils les rencontrèrent, il dit que personne n'était avec eux. Interrogé pour connaître celui qui l'incita à croire que les hérétiques étaient des bons hommes, il dit que le premier, c'était Peyre de Mazières, et lui avait dit au témoin de l'imiter, ce qu'il fit, à savoir, il adora les hérétiques en fléchissant 3 fois les genoux, selon le rite et l'usage des hérétiques. Là, vous avez vu, il se promène, tard le soir dans Albi, du côté de la plaine de Saint-Salvi, donc aujourd'hui on est en plein cœur d'Albi, on est presque entre le Vigan et Saint-Salvi, et il rencontre des hérétiques, mais bon, lui, il n'est pas forcément hérétique lui-même, il voit son collègue faire l'agenouillement vis-à-vis d'eux, donc on lui dit de le faire, il le fait. Voyez, c'est comme ça souvent que les gens viennent
au catharisme. Et on voit donc deux hommes qui se promènent dans Albi. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces dépositions, jamais une seule fois, leur nom à ces deux hommes ne sera donné. Soit il n'est pas donné du tout comme lui, qui dit oh, « je ne sais pas comment il s'appelait », et d'autres, ils les connaissaient très bien, mais il dit pas le nom, mais ils vont dire... Alors, l'un s'appelait Raymond Delboc et l'autre Raymond Didier. Alors, ils vont dire Raymond un tel, Raymond un tel, mais ils disent jamais leur nom, ils ne les ont jamais trahis. On sait que ces deux hommes ont été des gens importants dans la hiérarchie cathare, peut-être pas évêques, mais peut-être des diacres ou des gens assez importants. Sur les 11 déclarations, jamais une seule fois ils seront dénoncés. Pourtant, on sait par la suite qu'ils étaient là à ce moment-là et que c'était eux dont on parle dans toutes les dépositions. Ce qui montre qu'il y avait une certaine quand même ferveur, si on ne veut, on dénonce quand même plein de gens, mais on ne les dénonce pas eux. Et là, ces deux personnes, voilà, elles ne sont pas citées par Raymond Vignals. Suivant, lui finit en prison, mur strict. Émeric Grosset dépose pendant 2 jours. Alors lui, il sait, parce que vous savez, il y avait le temps de l'Inquisition, le temps où on pouvait venir spontanément dénoncer. Lui, étant agent des hérétiques, donc quelqu'un qui était très sensible à l'Inquisition, il aurait pu partir et s'exiler en Lombardie. Il n'a pas préféré le faire, il a dit non, moi je vais tout assumer, et peut-être qu'en dénonçant aussi de mon côté, on ne fera rien de moi. Malheureusement pour lui, on a fait de lui un prisonnier, et un prisonnier qui va rester dans les geôles au mur strict pendant plus de 20 ans, puisqu'on perd sa trace 20 ans plus tard, et qu'il est toujours accroché à son mur. Je ne vais pas vous lire de passage pour lui, il y en a plein qui sont intéressants. Il a subi la torture, on le sait, puisqu'on dit, dans le texte, pour essayer de voir quand est-ce qu'ils ont été torturés, alors une première fois, il parle, une deuxième fois, et puis la troisième fois, ils disent Émeric Grosset, après avoir recouvré la mémoire. Autrement dit, ça y est, on lui a un peu... C'est le terme, c'est le seul terme qui est dit pour comprendre donc qu'ils ont été torturés. Vidal Vignals, alors lui, s'il fallait un symbole dans ce registre-là, dans ces 11 personnes, ce serait lui. Il a été entendu à 3 reprises. Il abjure toute hérésie. Il est relevé de sentence d'excommunication, mais reste sous les verrous. Plus tard, il confirme ses aveux. Le tribunal cherche à lui soutirer plus d'informations. Et un an plus tard, alors qu'il a tout qu'il veut vraiment faire amende honorable, il est toujours détenu, ce qui montre qu'on peut détenir les gens comme ça juste par suspicion. Et il est de nouveau passé donc à la question, et à la question, ça veut dire à la torture. Et il est interrogé 3 fois d'affilée l'année d'après. Il va dire aussi un certain nombre de choses. On sait qu'il était agent des hérétiques. Vous voyez, c'est ces gens qui n'étaient pas eux-mêmes des cathares, mais qui les protégeaient d'une part en leur trouvant des caches ou qui les faisaient rencontrer telle ou telle personne. Et alors lui, Vidal, il va mourir de ces tortures. C'est le seul qui meurt sous la torture. Donc la torture, ce n'était pas des chatouilles sous les pieds. C'est des tortures dures. On n'a pas évidemment dans ces textes de quels sont le type de tortures qui sont infligées à ces gens. On peut imaginer des choses assez dures, et c'est le seul qui va mourir de la torture. Quand plus tard Bernard de Castanet va être inquiété de ces pratiques, c'est dans ce texte-là qu'on saura que cet homme est mort sous la torture. C'est le seul qui va mourir vraiment d'avoir été emprisonné et torturé. Raymond Cogorla, je ne sais pas comment il faut dire, c'est assez étonnant comme nom. Alors lui, c'est un clerc, c'est un homme d'église. Il va passer à 4 reprises devant le tribunal. Alors lui, c'est un homme d'église et il ne va rien dire. Il va donner quelques noms comme ça, mais souvent avec des pseudonymes. Il ne va vraiment rien dire de particulier. Il est un homme d'église, donc il pense qu'il ne sera pas jugé comme n'importe qui. Malheureusement pour lui, il va passer à la torture aussi. Au début, il dit absolument rien. Il dit non, mais moi je suis un fervent catholique, de la bonne foi catholique romaine, il n'y a aucun problème. Et puis le lendemain, on le refait venir et on dit, après avoir recouvré la mémoire, et là il dénonce. Enfin, il dénonce, il donne des noms, mais il donne quasiment rien.
C'est vraiment un des rares à ne vraiment pas parler. Le suivant, Raymond Fumet. Alors lui, tous les gens que vous voyez là, ils se sont soit dénoncés les uns les autres, hein, ils apparaissent parce qu'ils sont apparus soit dans le temps de l'Inquisition par des gens qui sont juste venus dénoncer, ou par des cathares eux-mêmes qui, sous l'effet de la torture ou pas, dénoncent eux-mêmes. Lui, Raymond Fumet, il est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un avocat. C'est un juriste, quelqu'un qui connaît la loi. Il est donc d'une position sociale importante à Albi. Il va déposer donc longuement, il y a à peu près une quarantaine de pages, à 5 reprises. Il va confirmer ses aveux. Mais lui, il est juriste. Donc, il connaît la loi et il sait comment ça marche pour essayer de s'en sortir vivant. Et il va pas mal dénoncer. Et lui, il va sortir vivant, sans même pénitence. Voilà, donc ça, c'est un des exemples où on voit que quelqu'un qui maîtrise la loi, pas oublier que ça aussi, maîtriser la loi, c'est quelque chose d'assez récent. Le XIIIe siècle, c'est l'apparition des universités, de ces lieux où on apprend le droit qui a changé. Là, on est dans la période où le droit français arrive sur le droit languedocien, hein. Et donc, lui, il va s'en sortir donc grâce à sa connaissance des lois. Intéressant, Raymond Fumet, et il sort donc libre. Donc, Ponce Nicolaou, je vous ai lu tout à l'heure un extrait. Lui, donc, ben, il est obligé de passer devant l'Inquisition. Il y a deux petites dépositions. Il dénonce quasiment personne. C'est quelqu'un qui est possier, qui travaille la peau. Il est à Albi aussi. Et il fait au moins 1 an de prison, donc la première fois, et puis entre la première fois où il dépose et la seconde. Et on sait qu'il va rester en prison. Pareil, in camera, donc dans la grande pièce, toujours pareil, c'est la prison, hein. Et donc, il finit en prison. Le suivant et la dernière, c'est une femme, la seule de la déposition, Rixendo de Belvèze. Alors, elle a une toute petite comparution, mais elle est importante parce qu'elle est veuve d'un marchand d'Albi, donc elle a une position sociale assez importante, et elle est la sœur d'un des chevaliers de Lombers. Donc, elle a une position importante, ils la font venir, et alors elle dit pas grand-chose, hein. Le texte est assez court, on ne sait même pas la date, ils n'ont même pas pris soin de noter la date, pourtant c'est souvent assez précis, et elle va finir en prison aussi. Et la prison, d'ailleurs, elle est un temps à Albi, et puis après, quelques années plus tard, on les prend et on les met en prison à Carcassonne, puisque les prisons sont plus grandes à Carcassonne, on peut y mettre plus de monde. Et quand, en 1306, 20 ans plus tard, on fait une liste des prisonniers, elle y est toujours. Des 11 que vous voyez là, il y en a 3 qui sont mentionnés 20 ans plus tard en prison. Et on peut dire donc qu'ils sont morts en prison. Donc, dans ce registre-là, ce seul registre-là, où il n'y a que 11 personnes qui comparaissent, il y a 432 personnes qui sont dénoncées, ou du moins nommées. 227 sont d'Albi, 137 sont de l'Albigeois ou du Toulousain, et 68 sont de Castres. Alors, vous voyez, pour ceux d'Albi, on a essayé de faire une typologie comme ça, donc deux qui sont de la noblesse. 97 sont des marchands ou des artisans, plutôt des bourgeois. 9 sont juristes. 4 sont des officiers royaux ou communaux. 14 sont des petits artisans. Et 94 qu'on ne peut pas qualifier. Et il y a aussi, vous le voyez, une petite minorité de femmes parmi donc, ces gens qui sont nommés. Albi, 25 femmes pour 202 hommes. Et à Castres, 13 femmes pour 55 hommes. Vous le voyez donc, c'est beaucoup de monde qui sont nommés, ils ne sont pas tous cathares, mais on a quand même, ça nous permet d'avoir une vision assez précise de la société de l'époque, tant sur leurs pratiques que sur leur vie. Une chose aussi à dire, c'est que tout le monde, tous ceux qui témoignent, disent que tout ça se fait de nuit. Chaque fois qu'ils rencontrent des croyants cathares ou des cathares même, c'est toujours de nuit. Parfois, les agents des hérétiques, comme Aymeric Grosset ou Vignals, il va chercher les cathares dans un bois, dans un taillis parfois. Alors c'est étonnant parce que
Bon, je lisais ces 300 pages, ben, c'est pas simple à lire. Je regarde surtout les termes latins pour voir les traductions. Et vous avez, par exemple, on est ici au Carla, on a deux cathares qui sont mentionnés. Juste à côté de Tersac, il y a un lieu... Alors, quand vous êtes sur la petite route de Tersac, hein, qui fait Albi-Marsac, en arrivant à Tersac, vous avez une petite ferme, une petite maison qui s'appelle Bouis. Là, dans le texte, il est dit qu'il y avait une église et que près de l'église, il y avait un petit fourré et que le cathare se cachait là en attendant l'agent. Un autre lieu qui est tout près d'ici, c'est à côté de Marsac. Quand vous êtes à Marsac et que vous prenez la route de Florentin, juste là, il y a un petit lieu-dit qui s'appelle Oliviège. Et là, pareil, dans un talus, est dit qu'il y a un cathare et l'agent va le chercher dans ce talus où c'est qu'il y a un petit bois. Donc, il faudrait faire, bon, c'est un travail de longue haleine, hein, mais tout un travail, on peut comme ça reconstituer des lieux précis, avec des lieux où ont été évidemment des cathares, où ont vécu des cathares, ou des gens qui les ont côtoyés, et on peut avoir quelque chose d'assez précis sur la société de cette époque. Je vous ai fait donc un point jaune sur tous les endroits qui sont mentionnés dans les textes pour l'Albigeois. Alors là, vous voyez, ça ne se cantonne plus à la vallée de la Goutte et puis au nord-ouest du Tarn, mais c'est quasiment tout l'Albigeois, y compris... Mais c'est vrai que du côté d'Ambialé, par exemple, du côté de l'Est, on n'a pas de cathares qui sont mentionnés ou pas de gens qui viennent de là. Il faut dire aussi que les gens qu'on a dans ce registre-là sont d'Albi, de Castres, de Lombers. Donc peut-être que s'il y en avait un du côté d'Ambialé, on aurait des gens qui auraient été dénoncés dans ce... Il faut dire que dans ces registres de l'Inquisition, premièrement, tous n'ont pas été traduits et tous ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Donc on a quand même des lacunes, mais on a, sur tous les registres de l'Inquisition, on a plus de 10 000 personnes qui sont mentionnées. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Souvent, c'est les mêmes personnes qui sont dénoncées. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont nommés 10 fois que ça compte 10 personnes, hein, c'est bien une seule personne. Parfois, ils ont des noms différents. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore de nom de famille à cette époque-là. C'est souvent des noms de lieux. On dirait Yann de Lombers, Marc d'Albi, etc., etc. Donc c'est des choses, c'est difficile aussi pour se rendre compte des lieux. Et puis souvent, les lieux ont disparu. Donc c'est difficile de savoir d'où ils venaient véritablement. Et souvent, les lieux, il y en a plusieurs qui s'appellent de la même façon. Donc aussi difficile de savoir... Par exemple, La Roque, si on n'avait que La Roque, bon, mais des La Roque, il y en a partout. Tandis que là, c'est vraiment La Roque d'Arifat. On sait que donc, c'est le La Roque qu'on connaît aujourd'hui et qu'on étudie. Puis en plus, dans la déposition, il parle du Mas del Puech, qui est vraiment juste à côté, et des gens qui sont dans les alentours du château de La Roque. Donc là, on peut précisément le définir. Mais souvent, c'est assez difficile pour ça. Mais c'est très intéressant. On a par exemple des mentions dans ce registre-là ou dans d'autres, des fameux souterrains, souvent on parle, que ce soit, enfin avec l'archéologie on en voit beaucoup, mais les fameux souterrains qui feraient, oui, ils vont de Castelnau de Lévis jusqu'à la cathédrale, etc., etc. Bon, ça vient de cette époque-là où, y compris dans les textes, ça a fait beaucoup fantasmer, de ces gens qui se cachent comme ça. Alors dans les termes, c'est Cluzel, hein, ils se cachent dans des creux, dans des souterrains. On en connaît beaucoup, des souterrains refuges dans la région. Il y en a pas loin d'ici aussi. C'est jamais très, très grand. Mais ça prend vraiment cette... Ils sont peut-être plus anciens, les souterrains, d'accord ? Ils ne sont pas forcément de cette époque-là, mais ils sont utilisés, souvent d'ailleurs, par les cathares pour se cacher. On le voit dans les registres. C'est donc avec ce schéma, on va dire, de ces cathares en Albigeois que je vais terminer mon propos. Et je terminerai mon propos en vous parlant, donc, vous savez, quand j'ai commencé la première conférence, je vous ai parlé qu'il y avait eu cette fameuse exposition à Montpellier qui reniait beaucoup de choses des cathares, qui expliquait qu'il n'y avait jamais eu de cathares et qu'ils n'ont jamais écrit, etc., etc. Bon, les cathares ont écrit, on connaît plusieurs exemplaires de Bible, ou du moins de Nouveau Testament, puisqu'ils ne croyaient qu'au Nouveau Testament cathare. Je veux vous parler de ce Nouveau Testament qu'on appelle le Nouveau Testament occitan, qui est détenu à Lyon et qui est suivi d'un rituel.
qui est donc tout simplement le Nouveau Testament Qatar est tout simplement le Nouveau Testament mot pour mot, sans aucune différence de celle du classique en latin, mais qui est traduit en occitan. Et d'ailleurs, dans toutes les dépositions que vous avez là, c'est mentionné, il est dit que les dépositions sont faites en langue vulgaire, autrement dit en occitan, et ne sont pas faites en latin. Par contre, la retranscription des notaires est en latin. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'entre ce que dit la personne en occitan et ce que retranscrit l'autre personne en latin, et puis aujourd'hui retraduit en français, il peut y avoir des différences et parfois importantes. Souvent, le mot occitan ne se traduit pas forcément bien alors en latin ou en français. Et donc, vous avez ce Nouveau Testament qui a été traduit par Ivan Roustit. Ça lui a pris 12 ans à traduire. C'est un travail colossal, mais ça permet de pouvoir lire le Nouveau Testament exactement comme celui qu'avaient les Cathares dans notre région. Et ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes ont essayé de dater celui-là, ce Nouveau Testament. Il est daté des années 1230, donc au début là, de l'Inquisition, et on pense qu'il a été fait à l'abbaye de Sorez par des catholiques, d'accord, qui officiellement sont contre les Cathares. Mais c'est pour expliquer qu'il n'y a pas forcément un antagonisme et une virulence des uns envers les autres, et que parce que pour faire ce genre de choses, ces enluminures sur ces parchemins, ces velins qui sont d'une grande qualité et qui sont quelque chose d'une grande richesse à l'époque, tout le monde ne pouvait pas se permettre ça. On sait qu'il y a plusieurs ateliers qui pouvaient le faire, notamment que ce soit à Albi, mais par exemple à Sorez. Et d'après l'étude, vous pouvez le lire si vous achetez le livre, il aurait été fait là-bas. Une autre chose aussi, avant de terminer, c'est que plusieurs fois dans les textes sont mentionnés des chanoines de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, des chanoines de Saint-Salvi, qui accueillaient eux-mêmes les cathares pour les protéger de l'Inquisition. D'accord ? Donc il n'y a pas forcément, vous le voyez, une antagonie entre les uns et les autres. D'ailleurs, il y a notamment un clerc de Saint-Salvi, un chanoine de Saint-Salvi, qui dit à une des personnes qui comparait, « Viens voir, on a deux mecs avec nous, on les a cachés dans le cellier, ils sont rigolos. » Il dit, le terme, c'est drôle pour traduire. Et alors, il va les voir, et ces deux nains, on présume, parce qu'ils disent que c'est des... il y a le terme latin qui est personne de petite taille, et qui seraient soi-disant cathares. Alors, ils les ont avec eux, ils mangent avec eux, et puis après, ils les ont pendant plusieurs jours, ils disent pendant 3 jours, et puis après, ils les laissent repartir. Ça se passe non pas dans le cloître Saint-Salvi, mais juste à côté, dans une des dépendances, en face de l'ancienne porte d'entrée, il est dit, on peut imaginer que c'est du côté de la rue de la Piale, pour ceux qui connaissent Albi, juste à la limite de la place aujourd'hui Sainte-Cécile. Tout ça pour dire qu'il y a des chanoines, des gens qui sont de l'Église catholique et qui accueillent librement les cathares. Il y en a plusieurs dans le registre. Ben, je crois que je vais arrêter là. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attends, alors, Jean-Paul? Oui. Attends, parce que Marc, il n'entend pas. Tout, la question que je vais te poser, au terme de ce triptyque vraiment bien documenté, je te complimente, est-ce que, je ne vais pas dire comme Staline, les Cathares, combien de divisions, je vais dire, pendant un siècle de répression, les Cathares, combien de morts? Première question. Est-ce que maintenant les historiens actuels considéreraient cette répression comme un génocide, qui est un terme moderne ? Alors, ça c'est des grandes questions. Alors, premièrement, combien de morts ? Il faudrait peut-être le calculer, parce qu'entre le nombre de morts sur les bûchers, on peut plus ou moins les quantifier, parce que c'est jamais très précis. Mais bon, à Minerve, ils en brûlent 140. À Lavore, ils en brûlent 300, c'est le plus grand bûcher de la croisade. Mais il y a donc des cathares, il y a peut-être des gens qui ne le sont pas et qui meurent avec eux. Il y a, chose méconnue, Raymond de Toulouse, le comte de Toulouse, Raymond VII,
qui n'est pas un fervent partisan de l'Inquisition, qui est plutôt contre d'ailleurs, mais il ne les aide pas beaucoup. À un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, il va en Quercy, en 1242, et il brûle 80 personnes, sans d'ailleurs l'autorité de l'Église, mais pour montrer qu'il est un fervent défenseur de la cause catholique. Il en brûle 80. Donc, et puis là, souvent, il ne meurt pas sur le bûcher, là, dans l'Inquisition, mais il meurt, vous le voyez, en prison. Ce qui est vrai, alors, pour parler du génocide, alors, c'est que souvent, le génocide est un terme moderne, on ne peut pas forcément l'appliquer à ce qui s'est passé auparavant. Ce qui est vrai dans le cas là, des cathares, mais comme d'autres hérésies, c'est qu'on s'est appliqué, avec méthode, avec rigueur, à faire disparaître toutes les personnes qui prônaient cette dissidence religieuse de l'Église catholique, de l'Église chrétienne. Mais il y en a eu d'autres dans l'histoire, donc pour employer le terme génocide, c'est un grand mot. Je ne pense pas qu'il faille tomber dans ce piège, à mon avis, du génocide. C'est pour ça que j'ai appelé cette conférence l'épuration, qui est pour moi un terme qui correspond vraiment à ce que voulait faire l'Église catholique. Jean-Paul ? Oui, moi je voulais rajouter le bel d'Avalie, les pièces qui ont servi à la question et à l'emprisonnement et dont personne ne parle, c'est tabou. À l'époque, j'avais demandé à la mairie pourquoi on ne dit pas qu'on ne veut pas marcher l'Église. C'est quand même fou après 8 siècles qu'on ne nous dise pas la vérité. C'est la salle qui correspond dans les peintures de Toulouse-Lautrec. De Toulouse-Lautrec. La salle qui dit que les prostituées. Hein. Ça, c'est la salle de la question. C'est celle où on va interroger. Et celle qui est juste avant, c'était la salle du mur large. Donc, il est bien que les gens, dans les joies au moins, quand ils vont dans ce palais d'abri, puissent se douter de ce qui s'est passé. Et je signale que l'entreprise qui a assez lourd, qui s'appelle l'entreprise mur chronique, cette pièce n'avait pas été touchée depuis l'époque, elle est restée fermée. On dit, il y avait toujours les crochets au mur et les chaînes. C'est quand même incroyable qu'on continue à faire ça. Ça, c'est une chose. Par contre, je voudrais bien que tu t'étendes un peu cela en personne, la façon dont il a été, pourquoi il a été nommé à lui, ce qu'il a fait, et puis aussi la tour de Roquefort. Ah oui, oui. Alors, bon, sur Bernard de Castanet, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a déjà eu une conférence en ces lieux sur lui, qui, à mon avis, était un peu partisane. Et il est vrai que Bernard de Castanet est un triste sire. C'est quelqu'un qui a été envoyé par le pape ici pour justement régler la question des cathares. On retient de lui évidemment la cathédrale parce que c'est quelque chose qui reste aujourd'hui et qui est massive et les albigeois, les premiers à se targuer, à se vanter de cette belle cathédrale. Il est vrai aussi que Bernard de Castanet a été un inquisiteur zélé, un fervent partisan des tortures, des choses comme ça. C'est vrai, bon, ça fait 800 ans, enfin 700 ans, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de tabou aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il y a un tabou autour de ça, alors que bon, c'est de l'histoire, enfin je veux dire, ça fait presque 800 ans, de l'eau a coulé sous les ponts du Tarn. Bernard de Castanet donc, est venu, a été aussi en Lombardie, hein, a chassé les cathares en Lombardie, pas l'oublier. Il connaissait déjà le phénomène cathare, il vient ici. Il introduit les dominicains Albi, c'est lui qui fait venir les dominicains Albi. Il mandate donc la construction d'une nouvelle cathédrale. Il ne faut pas oublier que la cathédrale a été construite à niveau de 1/3 avec l'argent pris sur les cathares ou sur ceux qui les protégeaient. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est aussi ça. Et Bernard de Castanet bon, a été condamné par la suite pour ses pratiques, etc. Il y a toute une histoire, mais vous pouvez le lire dans... Oui, oui, il y a beaucoup de choses sur lui qui ont été dites. C'est vrai qu'il a beaucoup fait de mal, c'est vrai. Donc il y avait beaucoup de gens qui en avaient aussi après lui à Albi et ailleurs. Et sur la tour de Roquefort, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais c'est très intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le château de Roquefort se situe dans la Montagne Noire, carrément à l'ouest, au-dessus, pas loin de Durfort, pour ceux qui connaissent, au-dessus de Sorèze, là, dans la montagne. Alors, encore aujourd'hui, c'est une propriété privée, mais c'est vraiment, pour y accéder, je peux vous dire qu'il vous faut marcher un certain moment, c'est au cœur de la Montagne Noire. En 1209, au début de la croisade, il y a 300 cathares qui se réfugient dans ces lieux, parce que c'est vraiment un lieu qui est loin de tout et quasi imprenable.
Et dans ces années-là, dans ces années 1270-1280, Roquefort va être le lieu où vont se réfugier les cathares pour chasser, pour partir en Lombardie. On dit que c'est là qu'on leur faisait les laissez-passer pour aller à Lombardie. Voilà, cette tour de Roquefort est fouillée depuis quelques années. Et ce qui est intéressant, c'est que ce castrum de Roquefort, alors il reste un morceau de la tour et quelques habitats excavés, il a été important à l'époque, donc 12e, 13e. Les routiers, au 14e, ils ont fait leur campement, mais qu'après, il n'y a pas eu de modification par la suite, ce qui fait que c'est assez intéressant au niveau archéologique. Et on retrouve évidemment des similitudes avec le château de la Roque et avec d'autres lieux de la région, notamment la tour. Et cette tour de Roquefort, c'est vrai qu'il n'est pas forcément connue, qui est assez loin de tout, assez difficile d'accès, mais qui était un haut lieu, c'est vrai, de la résistance et de la protection des cathares en Albigeois. On est là dans ce qui est considéré comme à l'époque comme l'évêché de Toulouse et non pas celui d'Albi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, au fond. On parle toujours d'évêques qui se cachent, des petits groupes, etc. Moi, je pose la question, est-ce que les cathares ont vraiment représenté un danger pour la société de l'époque? Un danger, je ne crois pas. Un danger pour l'Église, peut-être. Pardon ? Ça cache quoi ? Ça cache simplement que l'Église est puissante. L'Église, à ce moment-là, depuis 1903, vraiment entre dans le temporel, entre dans la temporalité, va se heurter plusieurs fois, vous le savez, avec les rois de France, parce qu'elle s'immisce comme ça dans la vie des gens. Donc ce sera un danger entre guillemets pour l'Église qui ne veut pas apparaître faible, l'Église qui va aussi depuis la croisade et à ce moment-là quadriller comme ça le territoire. Pas oublier que c'est des périodes qui vont être assez fastes après pour l'Église, contrairement au XIIe siècle ou au XIe et XIIe siècle, où l'Église va être assez riche, l'Église va construire beaucoup d'églises, l'Église va être puissante. Donc il ne représente pas un danger au sens premier du terme pour la société elle-même. On le voit d'ailleurs, même des prélats catholiques sont avec, les protègent parfois. Bon, ça ne représente pas un danger, ça représente un danger pour l'Église au niveau de leur autorité. Voilà. Notamment Albi, où l'évêque d'Albi est le seigneur aussi de la ville. C'est une particularité, mais qui est importante pour Albi. Une autre question? Oui, madame. Au niveau des rites, ils ne reconnaissent qu'un seul sacrement, qui est le... Alors, il ne faut pas oublier, les cathares prêchent en occitan. C'est ça aussi qui va un peu embêter l'Église. Les cathares prêchent en occitan et ils ne reconnaissent qu'un seul rite, qu'un seul sacrement, qui est le consolament en occitan, consolamentum en latin, qui est donc l'imposition des mains, comme le faisait saint Paul, par exemple, à l'inverse du baptême par l'eau, comme le faisait Jean-Baptiste ou Jésus lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est assez simple. Le baptême par l'eau, c'est un rite juif qui a été perduré, qui a été continué par Jésus et d'autres, mais c'est le rite juif, alors que les cathares veulent revenir au premier temps du christianisme, un christianisme des apôtres, et l'imposition des mains, c'est ce que faisait saint Paul. Il y a d'autres pratiques religieuses d'imposition des mains, ça se fait depuis longtemps. C'est d'ailleurs une pratique qui se fait aujourd'hui par des guérisseurs. Ça ne vient pas forcément de quelque chose de religieux, mais c'est une pratique qui était faite par saint Paul et qui apparaissait aux yeux des cathares comme quelque chose de plus près du christianisme tel qu'il était, alors que le baptême par l'eau était le baptême juif et non pas un baptême purement chrétien. Donc la grande différence entre les catholiques et les cathares, c'est vraiment le sacrement. Il n'y a pas de sacrement de mariage, etc., etc. Et puis pour ceux qui sont cathares pratiquants, il y a comme ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson, on ne porte pas de cuir, c'est les véganes de l'époque. Aujourd'hui c'est à la mode, mais c'était ça. Il y avait ça qui était... D'ailleurs, vous voyez, quand je vous ai lu, elle reçoit le consolament sur son lit de mort, elle est déliée des liens du mariage.
Vous voyez, parce que le mariage ne peut pas être reconnu. Donc si on entre en religion cathare, on est donc célibataire et on ne peut pas être marié. Mais voilà, la différence, elle se fait surtout sur les sacrements. Et puis, la chose principale, c'est qu'il prêche en langue vulgaire, en langue dont tout le monde comprend, en lingua nostra, en occitan. Oui. Alors, c'est, ben les raisons, je vous l'ai dit, ce sont des raisons. C'est une dissidence. Toutes les dissidences durant l'histoire du christianisme ont été réprimées durement. Les Ariens, l'arianisme au IVe siècle a été durement réprimé. On a choisi un dogme, on a fait appliquer ce dogme. Alors, parfois, les dissidences ont perduré. Le protestantisme en est une trace directe, mais les protestants ont été chassés, pourchassés. Bon, ils n'ont pas réussi à tous les éliminer, mais le principe est le même que pour les cathares. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a des gens qui travaillent sur les liens entre catharisme et protestantisme, et il faut avouer qu'il y a des liens assez incroyables, malgré les 200 ans ou les 250 ans qui séparent l'un et l'autre. Mais si je vous prends les cartes, les lieux qui ont été protestants, le lieu qui a été cathare sont devenus protestants, et même les familles, des familles qui sont cathares. Alors là, par exemple, moi, je connais bien Lombers. Quand il dit à Lombers, famille sabbatier, sabbateri en latin, le premier protestant de Lombers en 1560 qui a fait bâtir le temple protestant à Lombers s'appelait sabbateri, hein, sabbatier. Il a nommé Carrel, pareil, Carrel a été un protestant à Lombers 200 ans plus tard. Donc on peut imaginer qu'il y a un lien plus ou moins direct entre cathares et protestants. Et là, il y a plein d'études qui le démontrent, oui. Sont différentes, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais au moins à la moitié du XIIIe siècle, il y a les dualistes, et eux disent que ce n'est pas plus l'actionnateur. C'est énorme quand même par rapport aux catholiques. Il est vrai que donc viennent des cathares qui sont en Lombardie, qui eux sont en lien avec ceux qui viennent plus à l'est. Pour vous faire simple, pour simplifier, vous avez vu dans la première conférence, quand je parlais des cathares, quand il y a des débats théologiques, c'est assez simple. Les cathares rejettent l'Ancien Testament et rejettent les sacrements sauf le baptême. En gros, c'est à peu près ça. Mais par la suite, au XIIIe siècle, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui vont en Italie, qui reviennent, etc. Et il y a beaucoup de nouvelles. Le catharisme se radicalise au sens premier du terme. Évidemment, on est pourchassé, donc on est encore plus croyant que quand on ne l'est pas. Et arrive notamment d'Italie le dualisme qu'on a pensé au départ qui était là et qui sortait comme ça, mais il vient probablement d'Orient alors, au sens général du terme, hein, et pas de Manès ou des gens qui sont là depuis longtemps. Mais ce dualisme arrive et une partie des cathares qui passent devant l'Inquisition. C'est en ça, à mon avis, où c'est un peu biaisé. C'est qu'il y a une partie des cathares qui sont, on va dire, des vrais cathares, pour faire simple, qui prônent une hétérodoxie assez simple et assez pure des premiers temps du catharisme, qui est en gros un refus de l'Ancien Testament, des rites, et en reconnaissant que le consolamente. Et il y a une partie d'autres cathares qui sont peut-être moins qui ont été des cathares sur le tard, qui eux vont écouter ce qu'on leur a appris, et des gens, donc à partir du milieu du XIIIe siècle et après, vont introduire le dualisme. Donc Dieu n'a pas pu créer tout ce qui est terrestre et charnel, c'est l'œuvre du diable, et donc Dieu est un homme bon, donc il faut s'enlever de tout ce qu'on possède, y compris de notre propre chair, pour que l'âme puisse monter, etc. Donc il y a un dualisme qui apparaît à ce moment-là, mais il y a aussi des choses telles que la résurrection, la réincarnation. La réincarnation, très souvent, alors ça c'est vraiment la fin du catharisme, vous avez des femmes qui disent il ne faut pas tuer une poule parce que dans la poule, il y a l'âme de machin qui est mort il y a 30 ans. Et donc là, on a des choses qui viennent vraiment d'Extrême-Orient, mais qui apparaissent comme ça, donc la réincarnation et des choses tout à fait différentes des premiers temps du catharisme. Il ne faut pas oublier cette évolution comme ça du catharisme qui n'est pas le même au début et à la fin, si j'ose dire. Il y avait une question. Ah, bon. Ah oui, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Ah. Oui, au palais de la Berbie. Alors, au palais de la Berbie, d'ailleurs, dans le texte,
Plus souvent, il est dit dans la nouvelle salle, parce que vous savez, Bernard de Castanet, il n'a pas fait que construire la cathédrale, il a ordonné de construire la cathédrale, mais aussi une partie, une grande partie d'ailleurs, du palais de la Berbie. Et ils nous disent à un moment donné, la vieille salle, donc celle qui était là depuis peut-être Durand de Beaucaire, qui est le premier à avoir construit le palais, et la nouvelle salle, qui est celle construite par Bernard de Castanet, et Jean-Paul en a parlé, c'est cette salle qui est aujourd'hui juste à côté donc, de la salle des prostituées où il y a les peintures de Toulouse-Lautrec. Donc quand vous allez dans le musée Toulouse-Lautrec, que vous arrivez dans ces deux salles-là, ce sont des salles qui ont vu passer le tribunal d'inquisition et qui ont été, pour l'une d'entre elles, la prison, donc le mur large, celle où les gens étaient libres de mouvement dans cette pièce, qui reste quand même, je le maintiens, une prison. Voilà. Monsieur ? Il me semble me souvenir avoir lu qu'au début, des gens qui étaient très instruits dans l'Église catholique, qui avaient des diplômes, qui connaissaient tous les textes, tout ça, se sont dit qu'ils allaient ridiculiser les cathares en faisant des réunions publiques et en amenant la contradiction. Il me semble même qu'il y a un saint qui est venu du côté de Lavore et qui a participé à une de ces réunions. Et il me semble avoir vu qu'à chaque fois, ils se sont ridiculisés, c'est-à-dire que l'Assemblée était plutôt du côté des cathares dans la discussion que du côté des prêcheurs catholiques qui étaient là. Est-ce que je me souviens bien, vous avez eu les mêmes choses que moi ? Vous n'étiez pas là à la première conférence ? Non. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est aller sur Internet, taper « Savoir est un devoir » et grâce à Alexandre, vous allez avoir la réponse en image, comme si vous y étiez. Leur façon de voir les choses et ce qu'ils disaient était tout à fait cohérent. Ah oui, ça pour le, on ne peut pas leur enlever la cohérence. D'accord. Et ce n'est pas pour ça que l'Église catholique est allée jusqu'à la répression. Parce que si on n'arrive pas à les critiquer, à les mettre en contradiction et à les ridiculiser, finalement on passe à la violence. Non, je ne crois pas. Parce que par exemple, Saint-Dominique, qui a installé. Ah, c'est lui. Saint-Dominique a installé donc son. Ça, c'était lors de la deuxième conférence. Qui a installé son monastère au pied de Fanjeaux, le monastère de Prouille, quand il a prêché comme prêchaient les cathares, c'est-à-dire de façon simple, sans ornement, sans artifice. Parce qu'il est vrai, une chose qu'on ne peut pas reprocher aux cathares, c'est quand vous lisez les textes, quand vous lisez le Nouveau Testament, il faut être pauvre, il ne faut pas s'attacher aux choses du monde, etc. etc. Et quand vous écoutez le prêtre dire ça avec une croix en or, des sandales en argent dans une église incroyable, en latin, que vous ne comprenez même pas, difficile de mettre quelque chose d'une véracité là-dessus. Quand les cathares arrivent, prêchent en lingua nostra, en occitan, donc on le comprend directement, disent la même chose, mais le pratiquent, c'est-à-dire que les cathares n'avaient pas de bien, les croyants, hein, ce qu'on appelle dans l'Inquisition, pendant l'Inquisition, les parfaits. Quand ils disent qu'il ne faut pas s'attacher aux choses du monde, ils ne possèdent rien, ils travaillent, ils font souvent tisserands d'ailleurs, ils sont tisserands, mais ils ne récupèrent pas d'argent, ne serait-ce que pour vivre, on les accueille de maison en maison, bon, ça fait plus réaliste et plus vrai par rapport au texte que les autres, mais chaque fois que l'Église, notamment avec Saint-Dominique, a prêché de la même façon que ce que prêchaient les cathares, ça a marché. Et Saint-Dominique a obtenu pas mal de conversions de cathares envers le catholicisme. Ça a marché plusieurs fois. Mais ça ne correspondait peut-être pas au dogme général de l'Église catholique. Et alors encore moins à Bernard de Castanet, qui lui est alors l'opposé total. Vous avez vu, il a fait construire une cathédrale, pas la moindre. Voilà, c'était vraiment pas dans son état d'esprit et pas dans l'état d'esprit de l'époque. Mais la cohérence, oui, elle existe. Oui, Pierre ? Ouais, c'est plutôt par rapport à l'histoire récente. Qu'est-ce qu'il y avait depuis quelques années dans son réveil des cathares ? Les cathares, ils sont revenus en force. Ouais, moi... Est-ce que ça correspond à quelque chose dans le... Ben, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'historiens qui travaillent dessus. Jusque dans les années, c'est vrai, au 19e siècle, il y avait trois poètes qui s'intéressaient à ça parce qu'ils trouvaient ça fantastique. Dans les années 50-60, réapparut un petit peu le mythe des cathares. Alors il y a eu, vous savez, le trésor de Rennes-le-Château, tout ça, bon, qui a fait beaucoup parler. La caméra explore le temps de Castelot, de Caux, etc.,
qui a, aux yeux du grand public, fait découvrir les katas. À partir de là, beaucoup de textes ont été traduits, le travail incroyable de Jean Duvernoy, qui a traduit une grande partie de l'Inquisition, des travaux de l'Inquisition. À partir de là, alors si on le lit au pied de la lettre, évidemment, on peut dire dualiste, on peut dire, puisque dans les registres de l'Inquisition, il parle de dualisme, etc. Aujourd'hui, la recherche, à travers Jean-Louis Biget, qui est décrié par certains, mais qui a fait un travail incroyable, a bien expliqué, déjà, le peu de Qatar, il faut quand même l'avouer, c'est pas un raz-de-marée général. Vous voyez là, dans le registre, 432 personnes nommées, alors nommées, donc sans être forcément Qatar, sur une ville qui a au moins 5000 habitants, ça fait même pas 10%, et c'est des gens nommés, même qui sont pas forcément Qatar vraiment. Donc ça, c'est vrai. Et puis maintenant, les travaux d'Anne Brenon, de Pilar Sanchez, qui ont expliqué le catharisme des débuts, qui ont traduit les textes, qu'on réétudie. Et puis maintenant, il y a une nouvelle école, qui est l'école dite déconstructiviste. Donc en gros, qui est une école, il faut quand même le dire, proche de l'Église catholique, qui est là pour expliquer que les cathares sont une création de l'Église catholique, pour expliquer que l'Église catholique est droite et pleine de rigueur, mais qui est quand même elle-même sujette à caution, puisque on le voit dans les textes, l'exposition à Montpellier, les travaux sont quand même rejetés par tous les historiens sérieux, puisqu'il y a de grandes lacunes dedans. Et puis, il y a une passion incroyable sur les cathares, alors ça, je ne saurais pas dire pourquoi, mais les cathares, ça fait fantasmer tout le monde. Puis vous avez des fromageries cathares, l'agence immobilière cathare, tout est cathare. Oui, les fromages, tout est. Et puis il y a aussi le l'ODE, qui est donc pays Qatar, qui a un label, une marque, etc. Avec des châteaux qui ne sont pas Qatar eux-mêmes. Mais voilà, il y a tout ça aussi. Au fond, il y a une question. Non, c'était juste la recherche aussi. On a vu la suite des mots. La recherche d'identité aussi, c'est avec justement la caméra Explore le Temps, dans les années 1965, donc beaucoup d'Occidents découvrent le catharisme et le cathare. Ouais. Et c'est avant 68, et on commence ce grand moment d'histoire, avec une recherche de l'identité, notamment une recherche d'identité régionale, et ici une recherche d'identité occitane. Que pour le cathare est par un occitan. Ouais. Et cette recherche n'existait pas. Elle existait un petit peu au 19e siècle, c'était terminé, puis ça a rendu. Oui, c'est vrai que l'identité, ça y fait beaucoup. Les gens, on se disent occitan par identité. Alors que, bon, dans les faits, historiquement, on peut difficilement l'expliquer ou le prouver. C'est... Oui. Oui, c'est vrai aussi que. C'est vrai. Oui. Revenir sur un mot que tu as dit, perfectible. J'entends souvent les gens me dire qu'il faut être gonflé pour se déclarer parfait. C'est juste la traduction des registres de l'Inquisition qui disait aeroticus perfectus, c'est-à-dire hérétique accompli. Et ça veut dire qu'ils voilà. Ne sont jamais considérés comme parfaits. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Dans les textes de l'Inquisition, d'ailleurs, le mot parfait apparaît à ce moment-là. Ils sont pas, c'est pas eux qui se disent parfaits, évidemment. C'est qu'ils sont accomplis, comme l'a dit Jean-Paul. Hérétiques accomplis, des parfaits hérétiques, hein, des vrais hérétiques et des bons hérétiques. Voilà. Mais ce n'est pas eux qui s'appelaient comme ça. Ils s'appellent, eux, souvent, bons hommes ou bonnes femmes, vous l'avez vu. Ou bons chrétiens, c'est vrai, d'autres fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au fond. Alors, j'ai jamais entendu ça. Enfin, dans les textes, du moins. Hein. Dans les textes, quand vous lisez, voyez toutes les dépositions. À quel moment ils parlent purement de théologie? Jamais. Jamais. Si vous lisez leurs textes à eux, qu'ils ont eux-mêmes écrits, à quel moment il y a de la théologie? Il y a la théologie, c'est le Nouveau Testament. Mot pour mot. Mot pour mot. Il n'y a pas une différence avec le Nouveau Testament de l'époque catholique. Sauf qu'il est un occitan. C'est tout. Souvent, c'est vrai, il nomme souvent Saint Jean, l'évangile de Saint Jean est souvent nommé. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que les gens qui sont là,
la plupart sont des gens, on va dire, normaux, ne sont pas des gens forcément instruits ou de l'Église, et donc ils pratiquent une religion comme on leur a appris. Donc ils répètent des choses. Vous voyez, celui qui a croisé l'hérétique, il s'est agenouillé trois fois, sans forcément savoir ce que ça pensait, la conséquence de son geste. Il ne faut pas voir quelqu'un qui, dans sa petite étable, avec ses vaches, dire « oui, mais si Dieu a créé la terre et la vache, machin ». Bon, c'est vrai, c'est des choses, il faut voir ça beaucoup plus terre à terre. Et dans les dépositions, on parle très très peu de théologie dans le final. On parle beaucoup de la pratique. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes un cathare? Il y a eu un cathare, vous vous êtes agenouillé, donc ça veut dire que vous les respectez, donc quelque part que vous croyez en ce qu'ils disent. Mais en soi, il y a quand même la substance est quand même assez maigre. Oui, madame? Oui, oui, oui. C'est le Nouveau Testament, mot pour mot, en entier. Il est suivi ici d'un rituel. Les rituels, on en a plusieurs. Il y a plusieurs, mais mot pour mot, c'est le nouveau, celui-là, par exemple. C'est le, par exemple, je vous ai parlé de Dao des Morts, qui est à Mondron dans la Bessonnière, et on dit que lui, il avait, ou du moins quelqu'un de sa famille, avait cette Bible cathare, ce Nouveau Testament occitan, cathare, et qu'il l'imposait, ou même sur l'hérétication que vous avez vue pour le consolament de la mourante, ils imposent avec ce Nouveau Testament. Mais c'est ni plus ni moins que le Nouveau Testament traduit en occitan. Pardon ? J'entends pas, excusez. Non. Alors ici, là, le rituel, non, tout est en occitan. Là. Et après, ah oui, pour le rituel, oui. Alors il est, oui, latinisé et après traduit. Voilà. Et si vous voulez lire ce livre, je crois qu'il est pas, et je crois qu'il est peut-être à Transparence Albi. Sinon, il y a le contact à la fin, si quelqu'un est intéressé, c'est Yvan Roustit qui l'a fait à compte d'auteur. Mais vraiment, c'est un témoignage et c'est un écrit cathare. Et un des rares qui a été traduit. Est-ce que c'est bon? Il y a d'autres questions? Oui? La période de la guerre, la croisade qui a duré 20 ans, a entraîné un renouvellement des élites. Ouais. Et dans la période qui a suivi, on constate un énorme développement économique de la région. Je voudrais savoir si les Français y sont pour quelque chose, c'est-à-dire est-ce que ces élites françaises avaient des conceptions économiques, des différences juridiques, enfin, quelque chose qui a pu entraîner ce développement économique, si ça y est pour rien. Je crois que le développement économique qui suit la croisade, c'est comme tous les développements économiques qui suivent une guerre. Quand il faut reconstruire un pays, ça crée de l'emploi et ça crée de la richesse. On a aussi bâti beaucoup de villes nouvelles, alors les Castelnau jusqu'à Cordes, puis après les Bastides, qui ont regroupé les populations différemment qu'auparavant. C'est en ça que change beaucoup cette période-là, qui est une période charnière. On va passer, prenons Cordes par exemple, à plusieurs petits bourgs, comme à Saint-Marcel ou d'autres, plusieurs petits castrats, qui viennent s'agglomérer comme ça en une ville, puissante, où il va y avoir le commerce, les marchés, etc., etc., et donc une richesse qui va être centralisée et qui, du coup, va être plus facile à contrôler, notamment au niveau des impôts, qu'un groupe de personnes disséminées comme ça. Il y a plusieurs comme ça, plusieurs bourgs, plusieurs, on va appeler ça des castrats, des différents castrons qui sont désertés et qui sont par exemple, si on prend l'Ambert, ce que je connais bien, Lambers, vous aviez une ville, un château et un territoire, un dominium qui est assez important. En gros, entre le Dadou, pour faire simple, et Albi. Il ne faut pas oublier que le territoire de Lambers s'étendait entre Tarn et Dadou, donc au nord, hein, entre donc, Lambers et Albi. Par la suite, et c'est un exemple concret, en 1272, on va fonder la bastide royale de Réalmont, qui va être bâtie ici, pour l'extirpation du catharisme, de l'hérétique qui vivait, dit-on, dans les bois aux alentours. Et cette portion de Lambers va être ponctionnée des terres du seigneur de Lambers. Donc on va avoir comme ça, on va fixer une population à un endroit. Réellement, il n'y avait rien, et puis il y a très tôt 2000 habitants, assez tôt. Cordes, vous avez à la fin du XIIIe siècle au moins 4000 habitants.
en même pas trois générations, en deux, trois générations. Donc tout ça, c'est vrai que ça modifie la structure et que la féodalité, comme on l'a connue auparavant, elle va être de moins en moins présente. Puis vous avez les sénéchaux, par exemple, qui vont être les officiers royaux, voilà, c'est le terme que je cherchais, qui vont être mis à Cordes, qui vont être mis à Ralmont, par exemple, qui vont être mis à Carcassonne, évidemment, et qui vont tenir la terre pour le roi. Il n'y aura plus ces liens de suzeraineté, de vassalité entre petits seigneurs, autres petits seigneurs, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est ça qui a beaucoup changé à cette époque-là. Mais il faudrait plusieurs conférences pour en parler, notamment sur la création des villes, qui a modifié tout le territoire. La mentalité aussi, quand on sait qu'à Toulouse, il n'y avait pas vraiment de ghetto juif, mais 50 ans après l'arrivée des Français, il y avait le premier ghetto juif. C'est par là. Oui, ça c'est vrai aussi, j'en parle souvent quand je fais visiter Albi. À Albi, il y avait un ghetto juif. Ce qui est vrai, c'est que avant, on va dire, le début du XIIIe siècle et les années 1230, les juifs, on en connaît un pour Lombers, qu'il y a dans le texte, on en connaît à Toulouse, qui ont parfois souvent des responsabilités, à Carcassonne, évidemment, à Béziers ou à Montpellier. Avec l'arrivée de la coutume française, du droit français, les juifs vont subir une restriction de leur liberté. Ils vont être obligés de porter la rouelle, donc un cercle jaune sur leurs habits, devant et derrière. Ils vont être ghettoisés, c'est-à-dire qu'on va les parquer dans les villes, dans des lieux où il va être instauré pour eux un couvre-feu. Il y en a des ghettos, il y en a un à Albi, il y en avait un à Albi, un à Castres. Alors c'est intéressant, je le dis à tout le monde, parce que souvent, on cherche les ghettos juifs, où est-ce qu'ils pouvaient être. Il y a des rues qui s'appellent Paladeutes. Alors, ceux qui parlent occitan, Paladeutes, qui veut dire panar, voler, et deutes, la dette, les voleurs de dette. Pourquoi ? Parce que les juifs étaient les seuls à pouvoir pratiquer l'usure. Les catholiques n'ont pas le droit. C'est pour ça que les juifs ont très tôt travaillé l'argent. Et donc, on appelait souvent, d'ailleurs, à ces époques-là, au XIVe notamment, les voleurs de dettes, parce que c'est ceux qui vous allez demander de l'argent et qu'après vous ne pouvez plus payer, donc ils vous gardent les intérêts. Ça, à Albi, le ghetto juif, elle existe toujours, la rue Panadeutes. Elle est entre le marché couvert et le lycée La Pérouse, pour faire simple, ou entre le marché couvert et, vous voyez, dans ce quartier-là, il n'y a plus grand chose aujourd'hui, mais il y a un petit magasin qui est là. Mais vous, quand vous allez passer, vous allez voir Panadeutes. Et à Castres, pareil, en centre-ville, vous allez voir la rue Panadeutes, qui était le quartier juif, le ghetto juif. Voilà, c'est une des choses qui ont changé au XIIIe avec l'arrivée de la coutume dite française. On a terminé ? Alors ça, pour Lombers, je n'ai pas la réponse. Peut-être parce que c'est une ville plus ancienne et qu'il y avait une ville dans la plaine du temps de l'époque romaine, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. En tout cas, je vous remercie de votre écoute.